scène, pas de réponse, j'attends. Ok. Faut pas faire de trucs communautaires en fait. À part si tu fais des parties sur Wii, c'est très épineux de faire des trucs communautaires. Moi j'aime bien les trucs communautaires. Je vois pas pourquoi on s'en tirerait. Si, j'aime bien, mais paradoxalement, j'aime pas faire confiance aux autres, donc... aux inconnus, quoi. Voilà, quand t'as des gens qui ne répondent pas et tout, ça me stresse. Ah ouais, mais bon. C'est normal. Le pire, ça doit être pour les mecs comme... Tu connais l'arc funéral 972, ça dit quelque chose? Oui. Et il fait des Dakuichi avec Ishiraku, quoi, c'est la merde à chaque fois. J'ai carrément dû changer le système avec Twitter, là. Putain, ils avaient fait des mails, en fait, un système de mails à la base, et c'était une merde astronomique, quoi. Il y en avait un joueur sur deux qui revenait. Au final, c'était les followers sur Twitter qui jouaient. D'accord. C'était un vrai bordel. Bah, les gars, je vous préviens, je commence à enregistrer. Aucun souci. Si vous voulez balancer des saloperies sur les gens, faut le faire maintenant, parce qu'après, c'est trop tard. Non, je vais pas le dire. J'allais dire une connerie sur Sophie HD, mais non. Oh putain, je me fais bombarder par un joueur. Level 5, il vient me casser les couilles, quoi. Putain. Nico est déjà là, vous êtes deux à être là pour l'instant, il y a Kenobi qui est sur FIFA, je pense qu'il doit être occupé sur une partie importante. Moi j'ai pas encore reçu l'invite, c'est normal? Quoi? Non, pas. J'ai pas encore envoyé d'invitation, j'attends que vous soyez un petit peu tous prêts avant de vous embêter avec une invitation où on ne fait rien, quoi. Moi je suis prêt. C'est vraiment pas mal quand même ce jeu, quoi. Red Dead? Ouais. Non, mais je n'y ai que très peu joué depuis que j'ai un écran HD, quoi. Et... Ah? Et je redécouvre un petit peu certains décors, quoi. Ça, le seul défaut, c'est les bugs incroyables qu'il y a, mais sinon ça va. Ça, c'est. Une fois, je me suis enfoncé dans le décor, bon, je suis ressorti instantanément, mais j'ai vu sous le sol ce qui se passait, c'était magnifique. Et le pire, c'était dans les parties de PVP, quand il y avait des murs invisibles au milieu de la map, je sais pas ce que c'était, je crois que c'était des blocs, mais je sais pas, il y avait des gros murs invisibles. Je me suis toujours posé la question, c'est quoi? Allez, enfin, c'est n'importe quoi. De façon très accommodante, le jeu m'a directement fait apparaître près de la forteresse mexicaine. Je pense savoir de quel endroit tu parles. Ouais. Moi je suis au ranch McFarlane, moi. Ah, moi je suis où, comment ça s'appelle déjà, pas loin de la maison de Marston, là où il y a les sangliers avec les... Ah ouais. Ouais. Steve Landings. Ouais. J'ai trouvé une nouvelle session en exploration parce qu'il y a un mec qui arrêtait pas de me harceler pour me voler mon taureau. J'ai 4 balles de Henry, ça doit te calmer. Bon, je commence à envoyer des invites. Il y a des mecs quand même, ils sont pas gênés, quoi. T'sais, ils t'envoient des invitations comme ça alors que t'es en pleine partie. C'est même pas, il te demande salut, ça va, nickel, pas de problème. Non, il t'envoie direct l'invite, allez, cash. C'est cadeau. Nicolas. C'est stressant tout ça.
T'es en partie privée, là. Ouais, ouais. D'accord. J'ai prévu qu'on fasse certains trucs qui étaient prévus au début. Enfin, au début du topic, etc. Avec les espèces de mini-jeux improvisés. Et ouais. Je compte essayer certains trucs. D'accord. T'as une petite idée. Je compte essayer le PVP sans armes dont tu avais parlé un jour, c'est-à-dire aucune arme à feu, juste les couteaux, la dynamite, les cocktails Molotov, ce genre de trucs. Il y avait une map comme ça en extension, je crois. Ouais. Il y avait pas les explosifs, mais il y avait juste les couteaux de lancer, les tomahawks et le couteau. Non, mais bon, les couteaux de lancer, ça revient un petit peu. Enfin, ça revient un petit peu aux armes à feu si t'es à courte portée, dans un sens. Un truc qui était marrant, c'est les premières parties lorsqu'ils avaient publié le DLC avec le Tomahawk, quoi. Parce que tout le monde avait envie de jouer au Tomahawk et c'était super marrant les parties à ce moment-là. Enfin bon, ça c'est le bon côté du DLC, ça crée des espèces de mouvements. Ça c'est bien ça. Il vaut mieux, y a des jeux en ligne, il vaut mieux les acheter direct parce que au début la communauté elle est pas à chier quoi. Par exemple sur Naruto, sur le Storm 2, au début ça allait à peu près quoi, ça pouvait passer. Maintenant les mecs, il faut que spammer et camper quoi. Oui mais bon, ils ont compris le délire, hein. C'est comme ça sur tous les multi en fait. Si tu leur laisses le temps de comprendre le délire, ça devient n'importe quoi. Ouais, et encore au début les mecs ils spammaient mal quoi, ils savaient pas jouer, donc même s'ils spammaient le mec t'en foutais, tu lui mettais une branlée. Mais là non. Attends deux secondes, y'a quelqu'un qui m'appelle, je reviens dans deux secondes. Y'a pas de soucis. Oh là, qui m'envoie un cocktail hein. C'est... Bien sûr, ça pouvait être toi. Je suis juste à côté d'un canon en même temps, donc tu devrais pas plaisanter. Bah essaye hein. Wow. Attends, je vais faire plus que d'essayer, hein. Y a pas de soucis déjà. Ouais. Je viens de me faire avoir par l'armée. Moi, déjà. Ah, c'est un plaisir, mais ah, j'avais oublié que le canon, par contre, il ne tourne pas sur 360 degrés. C'est bah, ouais. C'est très chiant. Voilà pour toi. Et pour toi. Je me rappelle que je m'étais amusé sur une partie en multi à repousser les flics avec d'autres joueurs. Enfin, à repousser les flics, à repousser des joueurs, c'était du bordel absolu. Mais... Enfin bon, ça prouve encore qu'il y a pas mal de contenu sur les jeux GTA en multi, mais bon, il faut être en groupe, il faut être... T'as pas un sniper ? Si, j'ai ta tête là. Ça serait beaucoup plus rapide si t'avais un sniper. Vous ne passerez pas. Oula, oula, oula. Tu vas sortir de là. Oh, il passe par derrière. Ah, c'est pas moi, c'est le jeu qui m'a remis derrière. Ah, ok. Ah, c'est pas possible. J'ai plus de canon. J'ai pas de canon qui font face à l'intérieur de la bâtisse. Ça pourrait être pas mal. Il ne l'avait pas prévu. C'était quoi ça? Oh. C'était de la dynamite. Le fusil explosif, il est dans le multi ou... Ouais. Mais il est... C'est en récompense de truc... Un repère de bande, là. Un repère de bande. Oh, ouais. Ouais, je vois maintenant, je vois. Oula, c'est déjà dur. Hein. Bon, je suis coincé dans le décor, moi.
grenade. Bon. Ça m'étonne même pas. Ah bah voilà, ça va, j'ai réussi à me débloquer. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Laisse pas deviner, t'étais bloqué entre deux objets. T'es bloqué entre deux objets, ça t'a fait rentrer dans le décor. Entre le mur et un escalier. Celle-là, ils me l'ont déjà fait, cette blague. Bon, je fais un peu de solo. En fait, j'ai la version Dead Nightmare, donc j'ai pas le... Ouais, bah, pareil. Donc c'est parfait, ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait, il y a les DLC de plus directement. Ça, c'est vraiment... Oh, sniper. Oh ouais. Je visais ta tête, pourtant. Ah, j'ai pas reçu l'invite. Ah. Ok, ok, je vais arranger ça. Je vais arranger ça dès que je meurs, en fait, puisque bon... Vous avez fait une gunfight, là? Vous avez organisé une fête sans moi, les mecs. C'est... Oh. Bon. L'invitation. Le beau suicide. Bon, 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 bon. Arrêtez de déconner là. J'entends des bruits de couteau là. C'est le Tomahawk. D'accord. Non. J'arrive pas à te toucher. J'ai jamais touché quelqu'un avec le Tomahawk, sauf dans les parties de Tomahawk versus Tomahawk. J'ai déjà essayé, c'est injouable face à un ouais, mec. Ça va, ça part jamais deux fois dans la même direction en fait. C'est impossible à viser. Apparemment, il y a Sakhanov qui a un problème de micro, si je comprends bien. Ouais, j'entends ça, on entend un tchiii. Bon, je vais faire quoi en attendant, moi? Ah, voilà. Sakhanov est sur Red Dead. On attaque aussi dans la partie. Alors il nous entend, mais on n'entend pas Stakhanov. Mmh. Ah bah, normal, il est plus dans la conve. Oh, oh, oh. Ah bah oui, j'ai oublié Pico, qui n'a pas reçu d'invite. Mmh.
t'as reçu un truc, Pico? Non, rien pour l'instant. Toujours pas. Quand tu fais start multijoueur, tu reçois rien? J'ai pas reçu de message privé. Non, c'est pas forcément dans les messages privés, je crois. Ouais, il faut aller dans start et multijoueur en fait. Ouais. Hein, je retourne sur Red Dead alors. Je suis parti sur la démo de Castlevania. Le Harmony of Despair. Allô? On m'entend? Ah, bon. Allô? Oh, ouais, on t'entend. Ok, enfin. Qu'est-ce qui s'était passé? Bah, il marchait pas mon micro. Je suis allé dans. Dans bah, paramètres audio. Bah, il était sur muet. Et en gros, fallait que je change mon micro. Voilà. On fait quoi là? Bah, là. Bah, on attend. Ok. On fait gunfight en attendant. Enfin, moi je rejoins là. Oula. Ok. Oula, oula, oula. Bah là j'ai un petit peu les yeux partout puisque je vérifie si des gens me répondent sur le topic ou par MP. Je vérifie en même temps si Kenobi peut jouer. Je vérifie un petit peu tout et n'importe quoi afin qu'on commence à jouer. Well, well, well. Oula. Oh. Bonne tête. Ouais, mais j'ai un problème. Tu enregistres, Nico, là? Ouais. Ouais, j'enregistre, ouais. Tu enregistres? Ouais. Bon, ben, c'est bon pour moi. Aucune invitation, j'ai pas reçu ton invite. Bon, ok, et là. Là, il y a un problème. Essayez de l'envoyer par le PSN. Voilà. Ah, vous avez reçu une invitation en ligne. Ah. Plastic Gun, voilà, c'est parfait. Et voilà. Bonjour. D'accord. On est en mode normal ou difficile? Alors, parti. Je crois que c'est le mode normal. Ouais. En fait, il y a un moyen très simple de le savoir, c'est si t'as un lock automatique ou non. Bon, finalement, CC ne répond pas du tout. Alors, je vois Nicolas. C'est moi. C'est connerie.
Vous êtes où les deux autres là? On se prend. Ah bah on l'a compte. Attends, je reviens. C'est quoi cette arnaque? Le cheval il est plus rapide que mon taureau. L'intérêt du taureau c'est plus la robustesse quoi. Ouais. Je vois ça. Ah. Je te vois Nicolas. J'ai un gros bug. Qu'est-ce qui s'est passé encore? J'étais complètement invisible. Quoi? Bah mon perso il était complètement invisible. Je me souviens une fois pendant le chargement, il y avait Red là, je jouais Red, le premier personnage de Red Dead Revolver. Et alors il y avait une skin mais on aurait dit qu'elle était pas complète quoi. Il y avait, on voyait une espèce de petit corps à la place du... Décor de ce jeu. Bon. Nicolas a quitté la session. Hein? Ah, vous m'avez vu quitter? Ah, bah non, je vais changer de. Ah, c'est pas grave, je reviens. Je retourne vers la forteresse et je vais faire voyage rapide. Ok, moi je vais faire le cowboy solitaire. Voilà, Stakhanov a eu un souci. Ouais. Voilà, j'ai été déconnecté. Je vais au ranch McFarlane. D'accord. Non mais bon, on va commencer par là. La forteresse, on verra après. McFarlane Ranch, tout à fait. Voilà. Ah, je suis à Blackwater, moi. Voilà. Bon bah direction le ranch alors, on se donne rendez-vous là-bas. Ouais. Je vous rejoins là-bas, pour l'instant j'essaie de trouver un endroit où vous transporter. T'es où là? Là je suis... Bah je vais à la Sermanas. L'endroit où il y a les sœurs. Ouais, je crois que c'est... Ouais, c'est le couvent. La mana en espagnol, c'est la sœur. Mm-hmm. C'est là où il y a les bonnes sœurs. Ah ouais. Dans le mode zombie, il y a... Il y a des bonnes sœurs zombies. Ouais. Il y a toute une histoire dans le scénario avec elle. D'ailleurs, il y a une map, la sœur mana, en PvP, mais elle est pourrie. Ouais. Il y a trop de campeurs. De toute façon, sur le PvP, il y a trop de campeurs tout court, en fait. Oh, j'y joue pratiquement jamais, moi. Je me fais tuer beaucoup trop souvent, c'est même pas marrant. Alors, je sais pas comment les gens font, mais à chaque fois, je me prends des balles dans la tête. Tout le temps. Moi, ce qui m'énerve, c'est que les mecs sont toujours au même endroit, ils bougent pas d'un poil. Et dès que t'approches, ils te tirent une balle dans la tête, direct. Ouais. Même pas tu cherches à comprendre. Hein. Ils sont toujours au même endroit, hein, les endroits over-cheatés. Ouais, t'as même pas le temps de dégainer, tu te prends une balle dans la tête direct. Bon, ça va. C'est bon, je suis orange, je te vois.
On fait quoi? On fait la guerre à la police? D'ailleurs, il y a un bon endroit pour camper ici, la police, c'est juste là, dans le... C'est con de le dire, mais c'est dans la prison qu'on a le meilleur endroit pour se planquer. Sur le toit? Ouais. Bah oui, ça fonctionne super. Oh, le salaud! Double canon! Il m'a tué avec une balle de fusée à pompe, là. Pourquoi on me poursuit, moi aussi? J'avais oublié que dans le commissariat il y avait beaucoup de flics. Ah mais je suis tout seul, moi. Je suis pas revenu dans la session, moi, tiens. Il faudrait me renvoyer une invitation, hein. C'est bizarre, ouais. Ça. Stakhanov, il est toujours là ou... Ouais. Oui, je suis là. T'es dans la partie ou... Non, je peux pas. Là où je suis, là, on peut les camper sans problème, les flics. Hein. On les attend et hop, on se les fait tous un par un. Là, j'ai envoyé une invite à tout le monde, je crois. Toby? Ouais. J'ai un problème. Comment ça? Connexion impossible, vérifiez vos connexions et réessayez. Je peux pas vous rejoindre. Mm-hmm. Je comprends pas. T'arrives à jouer en multijoueur ou... Ouais. D'accord. Enfin, je suis connecté mais non, je peux pas rejoindre cette partie multijoueur. Ouais, c'est peut-être une vieille invite. Hein. Non mais ouais c'est pas faux mais t'arrives à rejoindre des parties multijoueurs, t'es sur le multi de Red Dead là? Je vais pas. T'es sur le mode libre là? Non. Là, je peux rien faire. Ah, donc... Je suis pas un taureau, toi. Donc même jouer en multi, tu peux pas, en fait. On se souhaitait me tirer dessus. Le vol de taureau. Ça faisait au moins 10 fois que je me faisais tuer sur la tête parce que j'avais un taureau. Et les mecs ils voulaient me le piquer, donc à chaque fois ils me tiraient une balle dans la tête de loin, mais bien de loin, de manière à ce que je ne puisse pas réagir. Et ensuite ouais, après, mais... les taureaux ils se tiraient. Et taureaux quand on s'en fout, j'ai mieux moi alors. T'as un âne zébré? Non, moi j'ai sorti mon bison. L'âne zébré je l'ai pas encore. L'âne zébré il faut avoir fini le... Il faut être au dernier prestige. Tommy je peux pas. Ouais. Ah bah, tâche de vrai. Est-ce que tu as essayé de redémarrer la console? Ok, je fais... Enfin, je ne sais pas, mais bon, j'essaie de... Ou à part de te déconnecter et de reconnecter sur le PSN. Tu peux me tuer, Tu peux me tuer en me percutant avec un taureau. Bon, attends, je vais faire le test. Mais non, ne teste pas. Oh. Jamais. Bah, il faut bien tester. C'est pas comme les chevaux, les taureaux, ils sont faits spécialement pour ça. Je me rappelle qu'il y a des gens qui m'avaient spammé avec ça. Il y avait un groupe de jeunes cons qui avaient vraisemblablement farmé les niveaux, quoi. Et ils avaient tous les trois des prestiges, en fait. Donc ils étaient équipés de taureaux et tout, ils étaient blindés, les mecs, et c'était juste affreux, quoi. D'accord. Sur Metal Gear Online aussi, je m'étais fait tabasser une fois par des mecs. Ils se mettaient à plusieurs contre moi. Si vous voyez les flics débarquer, c'est pour moi. Essaie de voir si t'arrives à rejoindre le mode en ligne, Staka. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Bah, j'ai éteint ma console, je la rallume et je vais réessayer. Ok.
C'est chiant ça, ce genre de soucis là. Ouais. Surtout quand c'est à la dernière minute. Voilà. Surtout que c'est la première fois que ça m'arrive quoi. Ouais. Moi c'est encore pire, tu te rends compte que tu peux même plus jouer à ton jeu sur et par console contre, ouais. Et par contre un joueur qui veut rejoindre la partie, je vais te dire son. Comment ça? Enfin, je vais te dire. Le temps que ça charge. C'est Jarbitnikov. Jarbitnikov. Tu connais? Ouais. Il t'a répondu sur. C'est ça. Sur le PSN. Il dit je veux bien. Si t'arrives à. Si j'arrive à me connecter, je l'invite. Ouais, y a pas de souci quoi. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui s'est libéré aussi, Nicolas ou je sais pas quoi. Il y a beaucoup de Nico quand même, franchement. Ouais, ils ont tous débarqué pour aller partir sur Red Dead, j'ai pas compris. Bah, je crois que c'est Hooper qui a fait de la pub pour toi. oui, ça c'est le truc en bannière bien sûr, mais c'est le fait qu'ils s'appellent tous Nico quelque chose, c'est assez étonnant. Ouais. Il m'a envoyé un message, je vous l'ai pas compris. Quoi? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? En privé? Oui, on est en privé là. On est en privé ou pas? C'est ah, ok. Là, j'entends pas bien. Ouais, on t'entend pas bien, il a le micro qui a des problèmes. Sinon t'es connecté Staka, tu peux jouer. Attends, je t'ai envoyé une invite là. Ok, j'ai reçu une invite. Là je récupère des munitions et je me fais pas attaquer, donc c'est super génial pour moi. Tu n'arrives pas ou... Je vais te dire tout de suite. Là y'a chargement. Je crois que c'est bon aussi. Non, je peux pas. Oh. Connexion au réseau impur. Bon, je vais essayer. C'est bizarre ce souci. Et t'arrives à rejoindre les parties publiques? Je lui envoie ton PSN. Ok, vas-y. Là, c'est à qui devient ennemi public numéro 1. Ouais. On dirait bien. Qui me répond? Moi, je suis à 800 dollars. Je vais envoyer le... 890. Plus qu'à, et je suis ennemi public. Moi. T'es ennemi public? Ça me l'a pas affiché. Ouais, il me reste plus qu'à à tuer, et je le suis. Moi aussi. Voilà, je suis ennemi public.
placed on another player. Bon ben, je rejoins la partie en même temps. Je suis sûr de me faire rapidement descendre, puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Oh mais non, je sais plus du tout comment me cacher moi. Ça me fait faire avec gare. Oh là là. Oh putain, y'a du monde. C'est mieux de faire ça en privé, je me rappelle quand j'étais un peu emmerdé par d'autres joueurs. Ah oui, ça je m'en souviens, y'en a qui te balancent des dynamites comme ça alors que t'as rien demandé. Ouah, j'ai crevé là. Ah bah je suis mort. Ok. Ah moi aussi, je suis mort. Ouais, je me suis fait défoncer, ouais. Ah, je suis premier, tiens. Ok. Nicolas a été traduit en justice. Ouais. Ouais. Moi aussi. Oh non, non, non. Désolé. Bah, d'accord. Sympa. Non, mais ça me rend nerveux, ces conneries. Je fais pas bien attention à qui, sur qui je tire, en fait. Je vais tirer dessus. Alors, c'est à peine senti. Voilà, oula. Il y en a un derrière, un joueur. Oh, c'est quoi ces conneries, le Dead Eye et et les munitions, elles ont disparu. Bah oui, quand tu meurs, c'est tout remis à zéro. Ouais, mais l'endroit où j'avais trouvé la planque, là, le camp où il y en avait, il y en a plus. Ah ouais. Ouais, c'est possible. Je suis dégoûté, ils étaient à 3 cm de moi. Bon, sinon les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent ou pas? J'attends de voir si Kenobi sera là, mais je me rappelle pas s'il m'a dit que qu'il ne serait pas libre tout de suite ou un truc de ce genre-là. Je suis plus. Oh putain. Ok. Ah tiens, j'ai trouvé un petit bug bien marrant. Tiens, je vais voir si j'arrive à le refaire. Quoi? Oh. Oh, ennemi public aussi, ouais. Allo, allo. Ouais. Oui. Ouais, c'est bon, je peux jouer. T'arrives à jouer, là? Je te vois, Stakano, sur la carte. Ah oui. Moi, j'y vais avec la carabine Henri Doré. Ne reste pas au milieu du bordel, par contre. Hein. C'est qui ouais. Qui tire dessus, là? Bah. Ok, bah je l'ai pas vu. C'est chiant quand ils sont comme ça là. Il y a un meilleur endroit pour les camper, mais c'est pas ici. Armadillo, il y en a. Dessus, Stakano. Armadillo, c'est ça, c'est. Ah, mais. Il y a aussi l'endroit. De trouver un bon endroit. Oh, mais non, ça c'est. À Blackwater, sur les toits des immeubles aussi. Ouais. Mais par contre, comment on monte en haut là? Ah, ok. Oh, wow. Pardon, oh, désolé, oh, désolé. Je croyais, il y avait un ennemi sur la map en bas, je vise pour voir s'il y est, et d'un coup je tire par réflexe parce qu'il y avait, ça visait là, et putain, d'un coup je te vois crever. T'attendras de me tirer une balle, vas-y. Je suis là, la dynamite. Je suis là. Vas-y, venge-toi. Je me rends. Et on fait pas de partie coop? Bah si, mais on attend du monde. Enfin, apparemment, de ce que j'ai compris.
Ouais, déjà il y a un joueur qui va peut-être nous rejoindre là, mais... Ah mais... Si... Nicolosez... D'ailleurs il y a un bon glitch dans ce jeu, c'est pendant la roulade, tu peux activer ton dead eye et tu peux quand même viser les mecs alors que t'es en train de faire une roulade. Ah ouais? Oh, je savais pas ça. Ça je l'ai souvent utilisé en PvP, ça je devrais essayer. Putain, il y a quelqu'un à l'intérieur ou quoi? Oh! Comment on fait pour infiltrer? Oh, il y avait quelqu'un à l'intérieur pour de vrai. C'est le menu select, tu choisis ouais. Je sais plus trop, enfin comment est-ce qu'on fait? Toi aussi tu vas dégager. Toi aussi tu vas dégager. Attends, select, tu vas sur RA, triangle. Waouh. On s'invite dans les groupes histoire qu'on se lock plus maintenant parce que quand on vise, on se lock automatiquement en fait. Ouais. Mais plus tard, on fera peut-être du PVP donc. Pour l'instant, au début, on peut quitter le groupe à tout moment. Oh cool. Enfin bon. Ouais. Et en plus, il y a un succès, comme ça, pas un succès, mais un défi avec le groupe et les hors-la-loi. Ouais. Mais je crois qu'on l'avait fait, enfin de notre côté. Je m'en rappelle plus. Ouais, mais les succès, ils sont remis à chaque fois que... Ah, moi, j'ai passé mes prestiges, mais mes défis sont remis à zéro, moi. Ouais, mais t'as reçu le trophée en tout cas. Ah, le trophée, ouais. Puisque bon, je crois qu'il y a un trophée pour. Pour que tout le monde soit public dans un même groupe. Non, c'est pas un trophée ça, c'est. Le trophée, c'est qu'il faut avoir. Il faut être le chef de. D'une bande de 8, je crois. Ouais, ça je confirme. Ça je l'ai, et il y en a un autre avec le mode, comment, c'est pas le mode forteresse, c'est l'autre, là. Où il faut tuer, 8 personnes tout en étant à la tête, comment est-ce que ça s'appelle encore ce mode-là? Putain, je sais plus, il y en a comme ça, ouais. Mais celui-là je ne l'ai pas, tiens. God. Tommy s'est fait tuer. S'est fait tuer par un campeur. Ouais. Parce que il faut le dire, dans ce jeu, le camping, c'est le maître. C'est le maître, hein, mais de loin. C'est parce que quand t'es à couvert, en fait, tu peux voilà, pas... Voilà, c'est qui, ça? Il y a un nouvel arrivant, là. Un nouvel? Alors, c'est... C'est le mec que j'ai invité. Jirabit Nico. Mais il n'est pas sur Skype lui. Non. Ouais. Enfin je sais pas. Oula. Ok. Yo.
J'ai rien compris là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lancé une bouteille. Une bouteille incendiaire. D'accord. Sympa. Bon, moi je filtre les entrées pour monter. Si vous voulez monter, c'est maintenant. Là, là, fais gaffe, Staka. Mm. Oh, zut. Enfin, nique. Staka, peu importe. J'ai tellement occupé à droite à gauche. À droite à gauche. Mais bon sang, quoi. Ça vit jamais les bonnes personnes. Tu peux camper à l'endroit où je suis, et là, il n'y aura aucun problème. Là, ils arrivent à gogo, et en plus de ça... Ouais, mais il faut des munitions aussi, c'est ça le problème quand on campe. On manque de munitions à un moment. Nico ? Ouais ? Par contre, comment tu fais pour le restaurant ? Tu rentres là. Tu rentres par l'entrée et ensuite tu me suis, je te montrerai. Ok. Là, là, suis-moi. C'est par là. Merci. Plante-toi bien par contre parce que... Ouvrez-moi là. Je manque de munitions. Vu que j'arrête pas de me faire tuer. Non, laisse-moi monter. Voilà. Par contre, il faut dire à Jrad. Oula, 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 oula. Bon ouais. Sang. Ouais. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Rentre, mais... D'accord. Wow. Ils apparaissent partout à la fois, quoi. C'est... Une seconde, tu vois personne, une autre... Ouais, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder ta carte. Enfin bon, même en regardant ma carte, j'ai des soucis, moi. T'as l'impression qu'ils coordonnent leurs arrivées, quoi, pour essayer de te prendre. Entre fait. Ah putain, j'ai mal au dos. Ah. Maintenant, je vais tourner sur ma main comme un dingue, c'est... C'est tout, quoi. Oula 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 oula. Putain, et en plus. Tu le dis comme les Japonais. Oula oula oula. Waouh. Les mecs sont partout. Attention, je vais te faire une dynamite.
Yippie-ki-yé. Oula. Jamais resté. Ça va de votre côté? Moi, ça peut aller. Il y a un truc qui semble bien fonctionner pour moi, c'est de rester à cheval, mais waouh, mais faut vraiment pas ralentir. Affreux joujou qu'ils sont. Ah, j'ai plus que 8 balles, je suis bientôt mort, les mecs. Bah ouais, c'est ça le souci quand on campe en fait, c'est qu'on ne peut pas le faire éternellement. Re. Waouh. Mais putain, pourquoi? Tu m'avais entendu là, non? Oh non, ouais. Pourquoi t'as tué le cheval de... Non, c'est parce que j'étais au téléphone, mais je crois que... Ouais, j'avais coupé le micro, donc normalement on n'aurait pas dû m'entendre. J'ai failli crever là avec mon cheval qui... Bon, et à part ça, on fait quoi? On continue à taper les autres ou on fait autre chose? Bah, pour l'instant, oui. Je pense qu'on va commencer par de la coop. Enfin, on va peut-être faire une partie de coop comme ça, peut-être en attendant encore. Et mais juste une, quoi. On va pas s'éterniser dessus. Et puis ensuite, on va essayer de voir si on arrive à faire les parties que j'avais prévues déjà. Mais bon. Ça m'inquiète un peu pour ceux qui n'ont pas Skype. Puisque bon, c'est chiant de leur expliquer sur le PSN. T'as pas un clavier pour le PSN? Ben, j'ai pas... Non, j'ai pas de clavier branché direct à... Par contre, c'est normal que je suis tout seul. Ouais, parce que tu n'es plus dans la partie. Ah bon? Et je fais comment pour... Donc Tommy te réinvite. Je pense que vous pouvez réinviter de votre côté, quoi. Moi, je suis sur mon cheval, en fait, et si je m'arrête pour lui envoyer une invite, je suis mort. M'a abandonné. Bon, bah, moi, je viens de mourir, je vais t'inviter, Stakhanov. C'était quoi déjà ton... M'a abandonné. C'est Stakhanov19. Bah, je vais t'envoyer un message pour être sûr que c'est bon. Alors, saisir idée en ligne. Alors, il y a pas de majuscule, hein. Si, pour le S. Ouais, mais peu importe, de toute façon, peu importe. Oh là là. Ah, si, c'est important la majuscule, puisque ça... Non, non. Non, mais j'ai été déconnecté. J'ai une déconnexion. L'idée que vous avez cherchée n'existe pas. Alors, S-T-A-K... A-N-O-V-17, c'est pas ça? Non, 19. Non, 19. Ah merde. C'est bon. Alors, je t'envoie un message et ensuite je t'invite. Ok. Alors comment on fait? Multijoueur. Invitation en ligne. Waouh! Comment on fait pour inviter? Bah, il faut qu'il soit dans ta liste d'amis, déjà. Ah merde. Add-moi un ami, Stack. Il me faut ton pseudo. Bah, je viens de t'envoyer un message. Bon, allez, ça va, je vais le faire. Je bougerai ça dans ma vidéo. Puisque là, vous êtes en train de voir tous mes amis. Où est-ce qu'il est, le Stack?
Stakhanov, tu n'es pas connecté apparemment. Ouais, j'avais un problème. Ouais. Comme d'hab. Je t'ai ajouté, Fico. Another player has a price on their head. Parfait. Je vais t'inviter maintenant. Ok. Alors. Stakhanov. Alors, comment on invite? Il faut l'avoir en ami. Ouais, tu et vas. Ensuite... Select, tu vas sur RE, liste de joueurs, puis triangle, liste d'amis. Et normalement, il devrait être dans ta liste d'amis. Ok. Invité joueur, alors. Ah, c'est bon, je t'ai trouvé. Waouh! Yep. Putain, mais qui a encore buté mon cheval? Le joueur joue déjà avec vous. Merde. Oh putain, 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 je suis mort moi. Bon, moi je vais chercher des balles et ensuite je reviens. Téléphone. Ouais. Non, c'est pas important, c'est encore une idée masquée. Là, je vais... oula, oula, oula. Faut que je continue. Mais putain! Qu'ils arrêtent de viser mon cheval, oui. Oh my god. Oh, il m'a fait peur ce taquin. Si tu veux mon cheval, je te le passe. Non, ça va. Non, okay. Non, ça va. Mais c'est toi qui seras dans la merde hein, si tu me passes ton cheval. Waouh. Waouh. Mais... bon sang, quoi. Faut pas se faire tuer ton cheval. Hein. Oula. Trop fort. Bon. Ah mais en même temps on ne peut pas faire de partie en coop vu qu'on est plus de 4 maintenant. Ouais. Hop. Oula 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 oula. Cheval, allez. Oula, ils sont tous cachés au même endroit, c'est... Wow. Qu'est-ce que c'est que ce campement? L'IA fait du camping. Mais mon dieu, encore le cheval, quoi. On dirait qu'ils ont pigé l'astuce, maintenant ils ne font plus que ça. Tirer sur le cheval. C'est une clash. Oh my god! Bon sang. C'est bon, le téléphone a arrêté de sonner. Je suis à la bourre, comme toujours. C'est qui s'occupe des voleurs de bétail, là? C'est moi, je crois. À part s'il y a quelqu'un d'autre qui fait... Oh, mais merde! Oh putain, y'a du monde! Une poule, quel crime horrible. Oh, ok. Wow. Si tu tues une poule, tu l'es quand même recherché. Ouais. C'est quand même énorme.
Ou alors on attaquera Fort Mercer à 5 peut-être. Ou alors, oh je sais, j'ai une idée. On va changer d'endroit pour camper les ennemis. Non ? C'est pareil. Bon, Nicolossus parfait. C'est avec nous normalement. C'est Jirabit Nico, Nicolossus en fait. Attends, je Bon. Bon, moi j'ai gagné le fusil explosif, moi, ça va chier. Bon. Bon. Donc, je crois qu'on va. J'avais pas envie de le faire sans Kenobi, mais je crois qu'on va se mettre à une partie de poker en points, c'est tout. Déjà, à 5, on peut le faire, non? Ouais. C'est poker. C'est maximum 6. Ben moi je sais pas jouer donc ça va être n'importe quoi mais. Enfin, pourquoi je pas. Je crois qu'il faut un DLC pour ça mais. Oui, il faut un DLC, je confirme. Enfin, je verrai si vous pouvez tous accéder à la partie maintenant. Toi tu l'as, Pico? Ouais, ben j'ai un Dead Nightmare. Ok. Donc, on un va DLC dans une partie. Ou... Quoi? Ouais, un c'est. DLC payant? Ouais. Oui, normalement, okay. Oui. C'est poker normal ou poker menteur? Je crois pas que je l'ai. Parce que le poker normal c'est chiant à la fin. Quand c'est à 1 contre 1. Il est pas dispo dans ta liste, Staka? Poker Texas Hold'em et poker menteur? Moi, j'ai des problèmes de lag, moi, apparemment. Je sais pas si je suis le seul, mais... Comment ça? T'as des ralentissements? Bah, oui, je vois Staka qui se téléporte de sa accéléromètre, je vois... Il y a parfois des problèmes de lag. D'accord. Je sais pas si ça vient de lui ou de moi, mais... Je pense que ça vient de moi. Finalement, tu peux pas... Tu peux pas participer aux parties de poker. C'est ça. Ouais. Non. Si tu n'es pas de pack, on peut pas nettoyer tes repères, non? Oh, si tu veux, ouais. Bien sûr, il y a pas de souci. Ah, à pouvoir. Il y a pas de souci. Bon, je vous suis. Si c'est pour un repère, il y a pas de souci. Mais sinon, je vais regarder sur le topic et tout. Pour le. J'ai bien envie d'organiser une partie et tout, d'organiser un mode de jeu improvisé, mais... Mais le truc, c'est que j'attendais que tout le monde soit là, en fait. Mais bon, on va commencer sans que tout le monde soit là. On les attendra comme ça, de toute manière. Ouais. Donc, on va faire le truc avec la forteresse mexicaine. Mais bon, ça se fera après. Voilà. Ouais. C'est quoi le truc avec la forteresse mexicaine? C'est un bug là, avec le cheval. Si. Voilà. Regarde bien le cheval, je vais lui tirer dedans. Ouais. Ah bah mais bon. te fous pas devant moi. Bon, si... Oh my god. Sinon, qui a envie d'essayer le PVP le PVP sans armes? Moi je veux bien essayer. L'idée de PVP sans armes, selon Nico. Ouais, ça peut se faire, mais bon.
ce sera juste du couteau en fait. Couteau, dynamite, couteau, dynamite, cocktail molotov. Écoute, ouais. Oh, mais ça, c'est un petit peu le truc qui sert à rien. Ouais, j'ai compris pourquoi ils ont foutu ça dans le jeu. Non, mais on ne va pas le faire selon le mode de Rockstar. On le fait par nous-mêmes, quoi. Ouais, je sais. Ce que je veux dire, c'est que les coups de poing, ça sert vraiment à rien. Ouais. Ça, c'est clair et net. C'est complètement ridicule, quoi. Déjà, je ne sais même pas si le couteau, ça blesse, en fait, vu que j'ai jamais essayé. Si. J'ai déjà essayé, ça fait très mal. Ouais. Je me suis fait plusieurs joueurs au couteau durant les parties de PVP. Oh non! Il lance direct les couteaux! Oh non! Ah, finalement, Manu a répondu. Et t'as volé! Finalement, Manu a répondu. Ça aura pris son temps. Bah, il a bien le droit. Bien sûr. Mais bon, ça stresse, quoi. Ah, c'est vrai. Mais bon, s'il était resté sa réponse, là, on l'aurait tué, là. Bah déjà, j'aurais dû faire ça plus tôt, quand même, dans un sens. J'aurais dû m'assurer d'inviter tout le monde bien avant. Mais bon, j'avais tellement de trucs à faire entre les joueurs 360 et ces trucs-là que c'est le dernier truc auquel j'ai pensé. C'est clair que la 360, ça va être une galère pour les mecs qui vont organiser ça. J'invite un joueur, là. Ne me tue pas, surtout. Je te tue pas, je te tape dessus. Oui, je préviens au cas où. Bon, moi, je vais foutre la merde à la forteresse mexicaine, à El Presidio. Oh là, je le vois pas, là. Je le vois pas. Ah, voilà. Manu invité. Voilà. Bon. Faites gaffe, j'envoie les Tomahawks là. Oh, ça marche pas quand les gens courent en fait. Vas-y, essaye. Ah, oh là. Oh ouais. Mais j'ai dû anticiper tes mouvements en fait pour lancer. Bah, c'est chiant ça. Moi, je m'éclate. Ouais, Bah moi, personnellement, j'aimerais bien tenter le mode dont tu parlais, Tommy. Quoi? Le mode avec la dynamique, tout ça. Quoi? Du PVP avec de la dynamique. Ah oui, le Far West Invaders. C'est ça. Ok. Mais bon, faudra expliquer à tout le monde, il y a le membre là qui n'a pas de Skype. Ouais. On a aussi Manu qui n'a pas Skype normalement. Pour Rabbi Nico, il a tous les packs. Il a précisé. Et il n'a pas de micro. Donc. Mais bon, c'est pas un problème s'il n'a pas de micro, mais bon, ça serait mieux d'avoir Skype. Déjà, je me vois mal expliquer. Je me vois mal expliquer les règles du. Les règles de mode de jeu en fait par PSN quoi. Parce que ça prend un temps fou pour envoyer des messages, c'est juste dingue. Ouais. C'est comme envoyer des SMS à l'ancienne. Non. Non, merci. À l'ancienne. Bah ouais. Bah oui, maintenant t'as tout un clavier et tout, donc c'est déjà mieux que ce qu'on fait sur PSN, donc. Je crois que mon idée pour camper les mecs à El Presidio est tombée à l'eau. Parce que à chaque fois que je vais sur le canon, je me fais one shoot. Pourtant, il était amusant ce canon. MP, voilà. Donc, voilà, Manu MP. L'autre là, je ne l'ai même pas dans mes amis là. Ouais,
Bon, il faudra couper certains trucs au montage là, parce que bon. Pourquoi? Je grogne un peu de temps en temps là. Je grogne un peu de temps en temps puisque bon, l'organisation des sessions, c'est pas toujours une chose facile comme on voit. Ah ouais. Oh, mais arrête de te téléporter là. Bon, sinon j'aurais bien fait un grand prix, mais je sais pas si c'est disponible pour tout le monde le grand prix. Non, sans DLC. Ah merde. Bon sang, mais tous les trucs marrants sans DLC quoi. Ah oui, c'est le principe du DLC. Bah au pire vous le faites sans moi, hein. C'est pas ça. Oh non. On va pas le laisser comme canard. Je vais me sacrifier. Non. Oula. J'adore mon petit joujou là, je fais joujou avec mon canon. Bon, là on fait quoi? On fait le Far West Invaders ou... On a déjà commencé. D'accord. Surtout, je vous ai expliqué, ce n'est que par attaque kamikaze, étant donné la puissance de la dynamite, on flingue très vite le mec qui a le sniper. Donc en fait, c'est vraiment par attaque kamikaze, en maintenant la dynamite dans ses doigts, qu'on... D'accord. On abat le sniper en fait. Sinon, ça serait d'accord. Beaucoup trop facile en fait. Et déjà, tu envoies la dynamite en auto-lockant le sniper, tu n'auto-lock pas. Là, je suis en train de poursuivre un mec qui a une hache dans le coude et qui court un peu partout. Là. Ouais. C'est affreux. Nicolas ? Ouais. Tu t'es fait tuer par un cheval. Ah bon ? Bon, vous êtes où là en fait? Je viens de filmer. Moi je suis à l'entrée du et je fais la fête. Hein. Bon, rassemblez-vous tous là, c'est... Bon ben, moi j'arrive en mode kamikaze alors. Bon. Ça fête pas? Ah d'accord. Bon. Alors, Nicolose et... il s'appelle comment l'autre? Manu... Oh, c'est pas pratique. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir Skype. En plus, c'est gratuit comme logiciel. Je comprends pas pourquoi les gens ils s'en privent. Non mais bon, c'est ils ne sont pas habitués, c'est normal. Je ne l'étais pas non plus avant les trucs de Hey en fait, donc. Oh là, ça va péter. Waouh, mais je ne joue pas. Oh, c'est dégueulasse. Et par contre, Tommy, t'as essayé de discuter avec avec Grabby Nico, non? Avec qui? Grabby Nico. T'as essayé de lui parler de Skype ou pas? C'est qui ça, Grabby Nico? C'est le mec qui nous a rejoint. Ouais. C'est qui? Girabit Nico là. Ah ouais. Oui, non mais je leur envoie des MP tous les deux. Normalement. Ok. Okay. Mais attends, Girabit Nico, c'est bien Nicolosez. C'est ça. D'accord, c'est bien ça. Ouais. Salut. Salut. Mais yo. Salut. C'est qui le salut là? Ah, c'est Kenobi. Ouais, j'ai eu un peu sur le quête de Noël. D'accord. Non, bon, bah, en fait, on attendait un petit peu tout le monde dans les sessions. Ouais. Là, on est combien maintenant, en fait? On est 6. On est 6. Ouais. J'ai pas dont 2 qui n'ont pas Sky. Non, attends. Ok. Bah, avec Kenobi, normalement. Oui, avec Kenobi, on est 6. Tu es sur RDR, Kenobi, ou... Ouais, c'est bon. Ok, j'envoie une invite direct.
Ouais, par contre, Tu peux pas rester. Ouais, c'est bon, il a envoyé son pseudo Skype, là, le manuel. T'es au burn-out, invité, voilà. Le Manu, il est sur Skype? Bah, il vient d'envoyer un message, mon pseudo Skype. Il l'a envoyé où, là? Sur le topic, ou... Ouais. Son pseudo Skype, c'est une âme 9564. Enfin, je peux l'ajouter. Alors, merde, comment... Une âme, c'est le... Il a pas de micro, lui. Ah. Obey or not to... C'est qui, ça? Ça, c'est Kenobi. C'est moi, bref. Ah, merde. Oula. Attends, vous... Vous avez accepté le groupe, là? Ah, bah, pourquoi je suis tout seul, maintenant? Tu te caches, hein? Ouais. Attends. Bah, je vous fais sauter tous les deux, alors. Non, tu vas... Il s'est suicidé là. Ouais. Merde. Oui, mais c'était la partie. Un, deux, trois. Un petit peu partout là, vu que je dois poster par MP, etc. Donc, bon, si je suis calme, vous saurez ce que je fais. Pito ? Ouais. Tu t'occupes des repères, c'est ça ? Des repères, c'est-à-dire ? Ben, des repères des bandes de ligne et tout. Bon, vous, je suis à El Presidio et je fais la fête. Ok. Je fais la fête tout court. Y'a pas moyen de me rendre vite ? Faudrait que je t'aie un ami, Kenobi. Bon, finalement, on joue à quoi, là? Bah, moi, je me fais repère, en attendant. Pareil. Bon, là... j'explique aux gens, c'est ce qu'est le mode Far West Invaders, donc... Ouais, là-bas, on fait ça. Ouais, donc, rester rassemblés, au moins. Ouais, bah, okay. Moi, je suis plus dans la partie. Ouais, je vais te renvoyer une invite si quelqu'un ne t'a pas envoyé une invite entre temps. Ouais. Je fais du cheval. Avec mon London Racket zombifié. Tout le monde a les DLC ici ou pas? Enfin, au moins Undead Nightmare. Moi, je laissais ça. Ok. Donc, Far West Invader, c'est uniquement au couteau, c'est ça? Et au dynamite? Non. À la dynamite. Ouais. Uniquement à la dynamite. Et il ne faut pas envoyer la dynamite, en fait, à part si vous l'envoyez vraiment de près, quoi, mais on ne peut pas envoyer la dynamite, puisque bon, ça serait trop facile, quoi. La dynamite, tu peux l'envoyer dans autolock ou en tout cas tu peux abattre bien plus rapidement le sniper que lui il peut abattre les assaillants. Sniper. Hop, hop, hop.
Il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre à le Presidio en attendant. Comment on fait? Bah, tu nous rejoins, mets un repère et passe par le transport. Ok. Hop. Voilà. Oula, je fais gaffe, on tire tes bombes, donc. Oh bah, mon personnage il a bugué. Putain. Oh. Tu me dis quand ça arrive, c'est. Ah, j'ai oublié le pseudo. Taka. Taka, oui. Bon, okay. Quand t'arrives, puisque là on est au canon tous les deux et. Bon, alors j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu à part là. C'est qui le joueur qui est complètement à part sur la carte là? Je vois un ennemi public qui est très loin sur la carte en fait. C'est moi. Il y a Manu et quelqu'un d'autre, Pico. C'est moi. Manu et Pico et les autres ils sont sur un Pax Basin en fait. Par contre réinvitation en plus. Ah oui. Je sais pas pourquoi il m'a déconnecté. Ouais. Sur le online parfait arrivera avec GTA 5. Non mais mon dieu, c'est un truc qui va devenir obligatoire là parce que ça me donne un mal fou là. Vous voyez bien, je suis obligé de m'absenter et tout. Il faudrait vraiment que les gens aient obligatoirement Skype au moins pour suivre ce compte parce que là j'ai vraiment du mal, ça devient limite absurde d'expliquer ce qu'on fait par MP quoi. Alors on invite les gens par PSN, on discute par Skype et on explique des trucs par MP. Ça fait que je dois avoir les yeux un peu partout et ça devient dingue quoi. En plus tu vas te lever tôt. Bon. Attends, bon, je vais demander à rejoindre le groupe, donc. Attends. Bon, je sais pas si je peux inviter des gens dans le groupe, en fait. Non, je peux pas. Là. Je m'en occupe. J'ai demandé à intégrer le... T'as juste failli faire votre pourrée, sûr. Oui, je veux rejoindre le chef, du coup. Ouais, alors fais gaffe. Hein, mais pourquoi? Mais merde, mais... Qu'est-ce qui se passe? Mais votre session a été interrompue, le mode exploration a été... C'était Oh putain, c'est... Tu viens à peine, bon. Je ne dirai rien. Stay calm. Quelqu'un qui capture en fait? Ouais. Oui, il y a Nico. Et moi. Bon, en fait, pourquoi il y a deux groupes distincts déjà? Il y a deux groupes? Bah oui, il y a des personnes qui sont près de Pax Basin et il y en a d'autres qui sont au Mexique là. Parce qu'on attend. Il y en a d'autres qui sont près dans la partie aussi. Écoutez, il y avait tellement d'armes par terre qu'on aurait pu ouvrir une armurerie quoi. C'est moi qui ai un problème ou je vois le groupe divisé à deux endroits différents? Ah ouais, il est divisé, j'arrive. Mais c'est normal. Waouh, petit tombé. Bon, vous faites quoi là? Moi, je prends le transport. Non, je m'occupe d'un repère. Moi aussi. Dans le chat, bon, finalement, on fait du Far West Invaders. Bah ouais. On attend que ça rassemblez-vous, commence. Rassemblez-vous au ranch McFarlane si on fait la partie. Bon. Vous pouvez me réinviter, bon cette fois-ci je vais pas intégrer le groupe, enfin je vais... Ouais mais non, ça va être galère après. Bon. Non mais ça fait deux fois que je demande à intégrer le groupe et après c'est... Ah, votre session a été interrompue. Bon, le pire c'est que c'est pas ma connexion internet parce que... Sur Skype tout fonctionne. Ouais. Non mais Staka il a eu des problèmes tout à l'heure aussi.
Ouais. Peut-être qu'il faudrait que quelqu'un d'autre fasse l'hôte hein, de la partie, vu que c'est moi qui ai commencé la partie en mode privé, je sais pas quoi. Enfin, peut-être qu'il y a une incidence, peut-être pas. Je préfère évaluer toutes les éventualités. Oh, je fais un carnage. Dès que vous avez fini vos repères de bande. Moi j'arrive, moi on a fini. Déjà fait. Vous nous rejoignez au ranch McFarlane. J'entends une explosion. C'est moi. Est-ce que tout le monde a de la dynamite? Ouais. J'en ai que deux. C'est normal. Pareil. Bon. Qui joue le rôle de sniper? Moi. Qui a dit moi? Moi, Taka. Ok. Qui veut bien m'inviter? Bon. Oui, je suis un peu lourd. Attends. Donc il y a un seul sniper et il y en a... Deux... Ah, j'avais pas écouté pour Space. Ouais, il y a un seul sniper et tous les autres avec de la dynamite. Voilà, il y a okay, un seul sniper, tous les autres sont avec de la dynamite, mais on a le droit de tirer qu'à bout portant, c'est ça. Le sniper peut se débrouiller comme il peut. Le truc c'est que il n'a pas le droit à un cheval. Ceux qui ont de la dynamite ont le droit d'avoir un cheval pour mieux approcher le sniper, mais en revanche ils n'ont pas le droit de lancer la dynamite, sinon ça serait beaucoup trop facile quoi. Étant donné la puissance de la dynamite, vous mettriez à terre trop facilement le sniper. En gros faut foncer, allumer sa dynamite et attendre d'être à côté du mec. Voilà. Ouais. Mais bon, le fait que vous ayez un cheval facilite grandement les choses, quoi. Il suffit simplement d'anticiper le temps d'explosion de la dynamite, en fait. Ouais. Enfin, c'est plus un prototype qu'un mode de jeu, hein, quoi. C'est un truc qu'on n'a jamais eu l'occasion de tester avant. Donc ça sera vraiment la première partie de Far West Invader, si ça fonctionne bien. Et il y aura très sûrement des améliorations en cours de route, quoi. Staka est le sniper, donc il faudra bien sûr un petit peu s'éloigner du sniper. Tout le monde sort du range. Staka, il va se mettre dans le jeu. En fait, mais... Et j'ai pas le droit de me cacher dans une maison. Tu te mets où tu veux. Tu fais ce que tu veux, en fait. Bon, voilà. Keno, je t'ai déjà envoyé plusieurs invites, hein, je crois. Tu les reçois ou pas? Là, c'est bon, mais... Bon. Je vais expliquer aux deux autres ce qui se passe, en fait. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui croient encore je que c'est Skype. C'est que l'aura, ah, donc. Voilà, une demande d'amis. Ajoute de contact. Et vous l'avez inclus dans la conversation ou... Bon, tant pis, en tout cas, je l'inclus dans la conversation. Alors, on est au ranch, vous êtes au ranch, hein, c'est ça. Ouais, vous êtes là. Mais, oh, putain, d'accord. Chier, merde, connerie. Voilà. Mais pourquoi ça me déconnecte comme... Keno, il se passe quoi? Ben, j'arrête pas me déco. Putain. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déco ma Freebox et ensuite ça a remarché. Parce que j'avais le même problème que toi au début et j'ai fait ça. Tu devrais peut-être tenter. Donc ouais. Là on est 6. Il y a quelqu'un qui a complètement disparu. Là c'est. C'est Kenobi. C'est Nicolas 16 en fait. Ah. Ok. Nicolas 16 a complètement disparu. Voilà, je me suis déconnecté. Enfin, je vais déconnecter au moins. PlayStation Store. Putain, c'est mal foutu, c'est comme ça. Oh
là là là. Bon, bon, bon. Il y a quelqu'un qui a complètement disparu là parce que je ne peux pas tout suivre, j'ai l'impression. C'est. Comment il s'appelle ? Oui, c'est. Nicolas. Ouais, ouais. Je pense qu'il. Faut arrêter avec Nico là, il y en a trop. Ouais. Il y a de l'abus. Ouais. Je vais essayer toi. Mais toujours en ligne, c'est parti. Il était connecté. Bon, t'es connecté Kenobi là ? Ouais, là, je suis en train de. Ouais, j'arrive. Ouais, j'arrive. Bon, déjà on a Manu qui est censé arriver, il a dit qu'il n'est pas prêt. Il a dit qu'il n'est pas prêt, donc je l'attends. Oh, on peut commencer, voir un peu ce que ça donne. Il y a un micro ou pas ? Bah, par contre, Nicolas C, ouais. Il a complètement disparu, j'en suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est lui qui va rendez-vous, pas toi. Ouais, il s'est complètement déconnecté. Bah, désolé Nicolas Ziz, en tout cas si cette partie reste dans la vidéo, en tout cas. Mais bon, je recommanderai à Monsieur Nico Stitch. J'ai le droit de commencer avec le cheval directement. D'oublier ça, du montage. Oui, tu peux. Tu peux. Mais c'est génial. Pico a déjà préparé le taureau, quoi. Ça va saigner. Bon. Théo, tu es sur le jeu là ? Enfin, Kenobi. Pourquoi tu m'appelles Théo ? Bah, c'est à cause du pseudo PSN. Ah. Tobé en note. To be en note. Ah ouais, j'avais jamais compris le pseudo en fait. Je le lisais toujours super mal. Théo Burnout ou un truc de ce genre là, quoi. Tu m'envoies l'invitation ? Oui, voilà. Invité. Ah ben pour une fois, oui. Ok. Donc Manu est là. Salut Manu. Salut Manu. Je crois que Manu n'a pas de micro, mais au moins il nous entend. C'est déjà ça. Si Keno arrive à se connecter, on sera 6 et je crois que ça sera le nombre définitif de cette session. Nicolas Z, comme je l'ai dit, il a dû nous quitter, j'ai l'impression. Dommage pour lui, mais en même temps, il n'avait pas Skype. Ça aurait été très difficile pour lui de véritablement intégrer la session, quoi, et de véritablement suivre le mouvement. C'est très difficile sans Skype, quoi. Puisque bon, on doit prendre le temps à chaque fois de tout expliquer, soit par MP, soit par PSN, c'est-à-dire, c'est un petit peu l'âge de pierre, en fait, sans Skype. C'est qui a bison blanc, là ? Ah. Attends, bon, Kenobi, ça va ? T'as plus de problème, là ? Attends. Bon, Manu, tu peux nous faire un signe sur le chat Skype dire violent là. Bon, est-ce que bon, tout le monde s'est éloigné de tout le monde s'est éloigné du village là. Pas encore. Attends. Voilà, là c'est bon. Il faut rester aux portes du village là. Bon, je vérifie sur la carte si. Ok, c'est cool. Manu nous entend bien. Je vérifie sur la carte si tout le monde s'est éloigné du ranch en fait, pour laisser un petit peu de place à Staka. Je vais déconnecter ma pote. Je reviens. Qui déconnecte alors ? Kenobi. Putain. En plus, c'est la première fois que ça me fait ça. Ouais. Sinon, faudrait peut-être prendre quelqu'un d'autre en guise d'hôte, hein, si c'est ça le souci. Quoi. Keno ?
Keno. Oh, moi je vais essayer. On y va tous. Moi j'essaye, je fonce, moi on va bien voir. Bon, c'est ça y est, ça commence, on dirait. On part à l'assaut de stackage. Vous n'aurez pas mon punch. Voilà, quelqu'un s'est déjà fait abattre. On a qu'une vie, on en a plusieurs. On revient autant qu'on peut. C'est le jeu en fait, c'est putain. C'est non, que non. Le sniper tienne le plus longtemps possible. Non. C'était. Ah, c'est pas facile de courir avec la dynamite. Putain. Désolé, désolé, c'est mal parti pour toi, c'est. Ouais. Là, on me dit qu'il y a un problème avec cet appel. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Bon, j'ai une idée. Hop, hop, hop. Waouh! Voilà. Oh non! Qu'est-ce qui est sorti? Par contre, là je suis HS. J'ai plus de balles de snipe. Ouais, je suis en rush d'armes, c'est pas grave. Faut qu'on travaille en équipe. Ben, faut l'encercler. Ben, il y a un moyen de récupérer des munitions, puisque bon, je sais qu'il y a des espèces de camps en fait pour récupérer des munitions. Mais je crois. Waouh! Je crois que quelqu'un a dit que. Je l'ai eu! D'accord. Ah, bravo. Donc, qui l'a eu en fait? C'est Pico. Donc c'est Pico qui... C'est Pico ouais. Maintenant. Donc Pico est le nouveau sniper et devra essayer de tenir plus longtemps que l'ancien sniper, Staka. Alors Rolling Blocks ou Carcarano? Peu importe. Peu importe. C'est un sniper à toute façon. Bon, déjà, je vais essayer de faire un truc en fait. Si j'y arrive, si je retrouve le truc... Ah, et voilà qui est le sniper. C'est moi. Donc en fait il faut de nouveau sortir du ranch. Il faut de nouveau sortir du ranch. Est-ce que Pico est dans le ranch? Oui, je peux changer de place. Comment ça? Comme bah, me mettre où je veux dans le ranch. Ouais. Bien sûr, y a pas de souci. Bon, je vérifie un petit peu où sont un petit peu tous les membres quoi. C'est... Ben je suis avec Nicolas. On attend. Donc Pico est dans le ranch. Tout le monde est à l'extérieur du ranch. Très bien, très bien, très bien. Donc là, en plus de ça, attends. Kenobi, il est où là? Kenobi, ça va là? Voilà, je sais pas. J'ai éteint ma box, je l'ai rallumé. J'ai éteint ma PS3, je la rallume. Ok. Donc que... va te réinviter entre temps. Okay. Putain. Ok, tout le monde a l'air prêt là, tout le monde a la dynamite à la main, ça va chier, j'ai l'impression. Manu a sa dynamite à la main. Moi je prépare mon cheval, pour une fois là. Ah, on y va? Bon, on y va ou... Allez, c'est parti. Ouais, allez-y. Je suis tout le monde, hein, je suis le groupe. J'enclenche le chronomètre, début. J'enclenche mon chronomètre sur mon portable. On verra combien de temps va tenir Pico. Il faudra compter le nombre de victimes aussi, c'est important ça. Très bien, très bien, très bien. Bon, ça je pourrais pas le mettre sur mon chronomètre, hein, donc il faudra le garder en compte. Wow! Ah, c'est pas triche! Et voilà, c'est presque un one shot, 29 secondes. C'est qui? Je suis le seul survivant, en fait. Vous avez tous pété sauf moi.
Voilà, voilà, voilà. Ah, son kiff, c'est un faudrait élaborer ce peu. Donc... Bah, faudrait deux snipers, peut-être, hein, je sais pas. Faudrait l'élaborer dans un FPS, par exemple. Oh, peut-être changer deux d'arme, snipers, peut-être. De changer d'arme, le sniper c'est pas facile quand même. D'accord, d'accord, d'accord. Donc en fait, finalement, on autorise toutes les armes, c'est ça. Oh ouais. Putain, ah non, ça va être cheaté là, le mec. Non, shotgun accepté. Dynamite de loin contre dynamite de près, non. C'est... Plus en plus, je me suis dit que ça serait pas mal difficile. Si on autorise que le Cattleman plutôt, non? Parce que le Cattleman c'est un pistolet qui est pas très puissant. D'accord, donc en fait, on a deux armes qui sont autorisées, soit le sniper, soit le Cattleman. Le Cattleman. Bon, vous pouvez me raviter maintenant? Oui, oui, oui. En espérant que... là, je croise les doigts. C'est autour de qui, là? Oh, bah. Qui a battu le... je sais que plusieurs personnes ont explosé en même temps, donc... J'ai cru voir Plastic Gun. D'accord, donc c'est moi. C'est ouais. Moi qui vais jouer le rôle du sniper. Ça ne m'enchante pas parce que je suis mauvais au sniper de toute façon. Donc on s'est accordé sur quelles armes en fait, le Cattleman et le sniper. C'est ça. Ouais. Hein, pas de soucis. T'as pas explosé. Et vous pouvez me réinviter dans... Ou c'est bon peut-être. Je prends une liste d'amis et envoyer une invite, en fait. Tu l'as reçu ou pas? Attends, ouais. Ouais, mais des fois c'est bizarre, des fois il te l'indique, des fois il te l'indique pas. Ouais, il faut toujours vérifier dans le menu multijoueur en fait, c'est comme ça. Bon, en fait, on va attendre deux secondes que ça ne fasse pas de quoi qu'avec Kenobi. Si. Invitez-le, parce que si c'est le seul membre que je suis capable de lock automatiquement, ça va être chiant. Ça va être chiant pour lui en tout cas. Je t'envoie une invite, to be or not. T'es merde. Ouais. Comme ça, je te mets dans ma liste d'amis, comme ça je pourrais t'inviter. Je sens que je vais me mettre dans le poste du shérif, hein. Je ne vais pas m'emmerder avec vous, ça c'est clair et net, hein. Je ne vais pas vous faciliter la tâche jusqu'à arriver à mes autres compères. Donc Kenobi ne fait toujours pas partie du groupe, j'ai l'impression. Ok, je vais pouvoir une demande d'amis déjà. Ok, je suis... Bon, allez, que le chef l'invite. Ouais, j'ai plein de nouveaux amis. Ouais, non. C'est cool. Téléporte-toi avec tes amis. Oula. Attends, tu arrives. Ah, bah merde. Tout à l'heure, ça avait pas marché. Bon. Vous faites n'importe quoi, les gamins. Ouais. Bon, allez. Alors. Attends. Oui, ajoutez un ami. Ajoutez un ami. Je crois que c'est bon. Ouais. Je vais. Ah, c'est. Envoyer un message. Ouais. Sélectionner, accepter l'invitation dans le groupe. Et ça a l'air de marcher. Et voilà. Donc maintenant, je suis seul dans le ranch. Tout le monde a un cheval ou un taureau. Tout le monde a sa dynamite à la main. Tout le monde a faim. J'enclenche le chronomètre. Allez-y. Allez, go. Enfin, moi, je suis toujours pas là. Hein, mais bon. Oula. Oh mon dieu. Oh non. Mais c'est qui ça? Non. Il y a eu un quack. Oh non, je vais pas mourir. Mais il y a... C'est un problème. Je n'ai pas tenu 15 secondes. Je n'ai pas tenu 15 secondes. Tout ça à cause d'un chariot qui est arrivé à l'arrière. Je n'ai pas du tout compris cet acte de complicité venant de l'IA. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai fait de loin le plus piètre score en matière de chronomètre et en matière de victimes. C'est n'importe quoi. Qui a allumé la dynamite en fait qui m'a abattu? C'est moi. Moi qui
Stakhanov. Stakhanov. Stakhanov est encore une fois notre sniper. Ouais. Tu peux utiliser le Cattleman, hein, oublie pas. Voilà. Le ouais. Sniper et le Cattleman. Je pense que je vais durer longtemps. C'est mon cheval, ça. Donc, que tout le monde se mette à l'extérieur du ranch, comme d'habitude. Et que le sniper vérifie qu'il n'y a pas de chariot derrière lui. C'est très important, j'ai l'impression. Attendez, je me prépare. Bon, j'ai l'impression que Kenobi est à l'intérieur. Non, c'est pas Kenobi. Non, je suis là. Voilà. Je suis derrière toi. On est tous là. Je n'ai pas de cheval. Je n'ai pas encore assimilé toutes les subtilités de ce jeu, on dirait. Parce que je suis prêt. Faut appuyer sur la flèche du haut pour siffler. Donc voilà, on peut enclencher la partie, je pense. Attends, il est où en fait? On sait pas où. Par contre, il se cache. Il est dans le ranch, c'est tout. Il faut le trouver de toute façon. Il a. Faut le trouver, le traquer, le buter. Voilà, c'est chasse à l'homme. Il se débrouille comme il peut pour survivre, en tout cas. Oui. Je vais te poser une question. Une question à toi. Attends. Oui. Tommy? Oui. Non, laisse tomber. D'accord. Je voulais essayer de te sniper en fait de là-bas, mais t'as bougé. D'accord. C'est complètement dégueulasse, faut pas le faire. On n'est pas encore parti à ton assaut, donc reste tranquille. Bon, début de la partie dans 3, 2. Attends, 2 secondes. Ok, il a tué. Eh non, foire. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, on a pas d'Igo. Hein. Évitez de faire n'importe quoi. Y'a du cheatage là, y'a du cheat. J'étais trop en avant, j'étais trop avancé, je voulais pas. D'accord. Bon. Okay. Donc j'attends que les Kamika se rassemblent, que le snack soit tranquille. Il n'a pas résisté à l'envie d'appuyer sur le jeu. Donc voilà. Tout le monde part dynamite à la main. Donc je peux annoncer le début de la partie là. Ouais. Donc début de la partie dans 3, 2, 1, j'enclenche le chrono. Ok. Il y a quelqu'un qui s'est fait méchamment fouetter par des jouets là. C'est moi. C'est n'importe quoi. C'est pas forcément. Oh, il s'est mis dans le cercle, c'est très malin pour échapper au chevaux. Merde. Non, c'est très malin pour. Et voilà. Attention, l'attaque vient de derrière. Oh non. J'ai failli exploser pour rien, c'est. C'est terrible. Non, mais là. Coup de chevaux. Waouh. Stakhanov va sauter. Oh, c'est quelqu'un qui a sauté. Tobernot, je crois. To be or not. Je sais pas, j'ai fait sauter plein de monde. Donc, c'est Kenobi qui est notre nouveau sniper. Je crois que Staka a tenu à peu près 35 secondes. Un coup de cheval, hein. C'est ça qui m'a. C'est dans le grand enclos ou dans le petit enclos en fait. Mais... Hey, c'est quoi cette arnaque? Pourquoi je peux pas prendre cette petite carriole? Donc Kenobi, tu peux te mettre où tu veux tant que tu restes dans le ranch McFarlane en fait. Ah d'accord, dans tout le ranch. Quoi. Voilà, tant que tu restes aux abords du ranch, à l'intérieur du ranch, tu peux faire ce que tu veux, tu peux te cacher, tu... Je pense que tout est permis. Faudrait interdire au mec de monter là-haut au sommet du ranch. C'est ce que je sais. Qu'il y a un endroit où on peut camper nickel chrome sans le moindre problème. Oui, ça c'est clair. On monte pas aux immeubles. À partir du moment où la seule façon de rejoindre le sniper c'est de monter à une échelle, je pense que ça devient un petit peu trop difficile pour les kamikazes, donc on interdit tous ces endroits. En fait, vous pouvez juste vous cacher à l'intérieur de l'espèce de commissariat ou dans les bâtiments. Vous pouvez vous cacher où vous voulez, mais tant que ça ne nécessite pas de monter à une échelle, en fait. Sinon, ça deviendrait, je pense, trop difficile pour les kamikazes. Hein.
le temps de monter à l'échelle, c'est fini. C'est... Ça serait beaucoup trop facile pour le sniper. Donc, Kenobi est à l'intérieur du ranch. Tout le monde est à l'extérieur, non? Ouais. Donc, je peux... Je peux annoncer le début de la partie, je pense, dans 3, 2, 1, c'est parti. Oh, Rolling Blocks. Oula, 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 il y a plein de gens qui se sont fermés. Je mets la porte. J'ai vu plein de personnes tomber là, j'ai vu plein de joueurs tomber. C'est... Ah, je vais la voir. Ah, ouais. Ah mince, je suis monté sans faire exprès. Waouh. Ouais, j'ai eu. Je suis mort. Non, je suis pas mort. Ah. J'ai gagné. Ok, il n'est pas mort. Le ok, il peut pas attaquer. Oula. Attends. Kenobi n'est pas mort, mais essaie de tirer sur les joueurs environnants parce que tu risques de te faire vite avoir par les kamikazes. Déjà, je suis à ta poursuite, donc c'est mal barré pour toi. C'est mal barré pour Kenobi qui est coincé. Oula. J'ai failli me faire exploser pour rien. Poursuivi par 4 personnes, ça fait très béni comme ça. Vous n'aurez pas l'un d'un drank, Rickets, zombie. N'oublie pas que ça nous prend un certain temps pour te faire exploser à la dynamite, donc tu peux très bien te retourner et nous one shot, hein. C'est comme tu veux quoi. Mais... Et voilà, il en profite tout de suite. Ah là, c'est mal barré. Et ça, je crois que Manu est notre fils. Ouais. Il a fait péter tout le monde. Mais en tout cas, que moi qui survécu, j'ai fait le tour pour essayer de le prendre en revers. Et voilà. Donc voilà, Manu est notre nouveau sniper. Et Kenobi a tenu environ 1 minute 20. C'est notre meilleur score de loin. Moi, je suis un rat qui fuit en fait. Mais... Si, ah oui, en fait, le sniper vient. On choisit celui qu'on veut. Enfin, oui, c'est... Non, parce que j'en ai qu'un, en fait. Voilà, donc, bon, ça limite ton choix, forcément. Donc, les seules armes qui te sont autorisées pour l'instant, en tout cas, c'est le Cattleman et le Sniper. Oui, je me suis un peu gouré. Hein. J'ai tué le civil au revolver volcanique, enfin le pistolet volcanique. Mais c'est pour ça qu'il y avait des agents de la loi de partout. D'ailleurs, c'est. Même tirer dessus aussi. D'ailleurs, c'est tellement facile que je pense que je vais autoriser n'importe quel revolver tant que ce n'est pas le pistolet GP, je pense. Ah, ouais. Le pistolet GP, c'est le truc le plus. Ou pistolet semi-automatique. Le GP, c'est juste abusé en fait. Bon. Et finalement, on va ajouter le revolver double action à la liste. Ouais. Et le volcanique, on l'ajoute pas non plus, je pense. Oula, mais... Oh là là. Pardon. Il y avait un mec qui a allumé une dynamite, j'ai tiré. Ah, super, d'accord. C'est moi. Ça peut être pas mal pour le sniper d'utiliser cette stratégie aussi, de tirer sur la dynamite, mais bon, ouais, bah, ça c'est un truc raqué, bien sûr. Il faut savoir viser. C'est un truc au... Voilà. Faut vraiment être... Tout le monde s'appelle pas du culé, du cul. Voilà. Tiens, moi si je veux donner un conseil, c'est pas rester immobile, même avant de partir, en fait. Ah non, je suis rentré dans le ranch. Je fais du saut d'obstacle. Bon. Que tout le monde reste à l'extérieur déjà. Moi je me mets loin, comme ça. Que tout le monde reste à l'extérieur. Le sniper ne peut tirer sur les kamikazes qu'une fois qu'ils aient dépassé la porte du ranch, quoi. L'entrée du ranch. Sinon ça devient n'importe quoi, bien sûr. Bon, tout le monde est à l'extérieur là, ça va? Ouais. Seul Manu est à l'intérieur, donc j'annonce le début de la partie dans 3, 2, 1. J'enclenche le chronomètre. On peut y aller. Oh ! Qui est... mon cheval ! Enfin, mon taureau ! Qui a battu le taureau de Pico, là ? J'ai pas trop compris. Le sniper, hein.
C'est bien joué, c'est bien joué ça, franchement. C'est... Ouais. Oh, bon sang. Je l'ai eu. Waouh. Déjà ? Je l'ai eu. Et ouais. En plus, dans une attaque plus propre, hein, c'est... Ça n'a pas tardé. Donc notre sniper a cette fois-ci survécu environ 25 secondes. Bah tant pis, bah je me suis filé pour l'occasion. Je crois qu'on va autoriser de plus en plus d'armes parce que malgré le fait qu'on ne puisse pas lancer de la dynamite, on ne prend pas énormément de temps pour abattre les snipers en fait. Tommy ? Oui. On peut se mettre n'importe où, c'est ça ? Oui, tu peux te mettre n'importe où tant que tu ne décides pas de monter avec l'échelle, sinon ça devient trop difficile pour les kamikazes de te rejoindre. Oula. Donc vous pouvez vous cacher. Je pense même qu'il est essentiel de se cacher maintenant vu la rapidité avec laquelle on accède au sniper. Oui. Donc on va juste les temps en fait ou c'est bon. Alors qui a parlé ? J'ai pas compris là. T'enregistres les temps en fait ? Oui, je garde les temps. Attention, je ne les note pas puisque bon, mon chrono n'est pas aussi sophistiqué, dommage. Mais j'enregistre plus ou moins les temps. Le dernier temps ça a été 25 secondes par Manu. Le meilleur temps c'est environ 1 minute 20 par Kenobi. C'est le temps à battre. Et maintenant notre sniper c'est Stakhanov normalement. Tout le monde est à l'extérieur ouais. Là. Donc ok, début de la partie dans 3, 2, 1, j'enclenche le chrono, c'est bon, allez-y. Vous voulez pas accepter les couteaux de lancer pour les trucs dans les haches. C'est bon, ouais, fait. Ouais. Ah ouais, mais il y en a qui ont pas les haches aussi, c'est vrai. Ouais, mais bon. Je crois qu'on va autoriser de plus en plus d'armes, hein, de toute façon. Staka, il est où, en fait? Ah, mais... Waouh. J'étais caché. On m'a trouvé. D'accord. Donc, Pico... Tu croyais que tu resterais bien planqué là-dedans, hein. Ouais. Donc, je crois que Staka n'a pas dépassé les 25 secondes. Pico est notre nouveau sniper. Ah, c'est mieux quand il fait beau. Ça devient de plus en plus rapide là. Donc en fait, petite mise à jour et on verra si ça fonctionne bien ou pas. Cette fois-ci, on autorise à peu près toutes les armes au sniper à part le pistolet GP. À part le pistolet GP et à part la dynamite parce que bien sûr ça devient trop bordélique. À part le pistolet GP, la dynamite et les cocktails Molotov, à part ça, tout est autorisé au sniper et on verra comment ça fonctionne cette fois-ci. Et Pico, t'as compris ? Ouais, j'ai tout compris, c'est bon. Excuse-moi, c'est un peu le bordel chez moi, donc j'ai un peu de mal à faire le juste milieu entre Skype et à la maison. Bien sûr. L'astuce, c'est de fuir. Donc, je pense que tous les kamikazes sont sur la dynamite à la main. Début de la partie dans 3, 2, 1, allez-y. On part direct à l'assaut de Pico. Pico, à cette fois-ci, toutes les armes. Donc, s'il nous snipe au fusil, enfin, s'il nous shot au fusil à pompe, c'est à sa convenance. Okay. Je l'ai eu. Wow, hein. Stakhanov, je te hais. Bon, ça reste très rapide. Ça reste très 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 rapide. Je dirais que moins de 25 secondes, j'ai l'impression. Environ 25 secondes au moins. C'est plutôt beaucoup. Donc on n'a pas toutes les armes, c'est ça? Voilà, c'est... La seule limite c'est le pistolet GP, la dynamite et les cocktails Molotov. C'est tout ce qui intervient au sniper maintenant. Donc je peux prendre ma carotte. Voilà. Alors ce qu'on peut faire c'est on n'autorise pas les chevaux mais. Ouais, j'y pense, mais en même temps l'assaut deviendrait bien plus lent, j'ai l'impression, donc Ouais moi j'y vais à pied, allez. Et mon score tient toujours alors que j'étais juste au sniper. J'allais au revolver.
Et qui date à des... Y a quelqu'un d'autre qui a dépassé une minute ou... Non. Je crois que tu as été le seul score à dépasser une minute, pour l'instant. 1 minute 20. Et la première fois que je l'ai fait, j'ai tenu combien de temps? Ben, la toute première partie, je n'avais pas encore sorti le chrono, mais... Mais je pense que je pense que ça reste la partie de Kenobi sur laquelle on a tenu le plus longtemps quand même. Mm. Enfin vu le temps que ça nous a pris, vu combien on a galéré pour une fois. Ouais. Enfin bon, est-ce que tout le monde est prêt? Oh, ben, je suis prêt. C'est cool, c'est prêt. Donc début de la partie dans 3, 2, 1. J'enclenche le chrono, allez-y. Ah, je vous ai pas vu arriver. Voilà. Mon cheval est piégé dans le canal, c'est naze. Ah, Wimba, ouais, Wimba. Oula. Je suis tombé sur Staka. Merde. Le problème, c'est que les snipers ont trop souvent peur d'utiliser leurs armes, j'ai l'impression, donc... C'est Pico qui a... Je pense qu'on devrait essayer sans les chevaux. Voilà, on va essayer la partie pour une fois sans les chevaux, mais je pense que l'assaut va être très lent sans les chevaux. Ça va beaucoup changer la donne. C'est une âme qui a sauté. J'ai moi, pas vu. Moi, il était juste inscrit Staka a sauté, mais c'est tout quoi. J'ai vu, c'est une âme qui a sauté en premier. D'accord, donc c'est Manu qui est le nouveau sniper. Oula, il y a quelqu'un qui a fait un saut prodigieux, j'ai l'impression. J'ai vu Nico qui était à 10 mètres au-dessus du sol, j'ai l'impression. Bon, qu'est-ce que je fais là? Waouh! Les taureaux font mal, hein, c'est... Ah merde. Et est-ce que tous les kamikazes sont à l'extérieur? Ah oui, pas de chevaux, pas de chevaux cette fois-ci. Kenobi. Par contre, je suis en wanted. Qui est en wanted? Moi. Stack. Essaie de te suicider, ouais. Ou de faire entrer du genre pour perdre le statut. Enfin, au cas où, ça risquerait de te gêner, quoi. Ok, c'est bon. Ok. Donc, bon. J'attends que tout le monde soit prêt. Donc tout le monde est prêt là? Ouais. Donc cette fois-ci l'assaut va prendre pas mal de temps, ça va pas mal changer les règles en matière de chrono déjà. Donc début de la partie dans... Début de la manche dans 3, 2, 1, allez-y. Ouais. C'est l'assaut des escargots. Au moins on a le temps de savourer. Ça c'est sûr que ça risque de faciliter grandement les choses au sniper là. Moi je me sers de Toberno comme bouclier. Ouais, j'ai vu ça. Stratégie très judicieuse. Il a failli me tuer, Manu. Oh, wow. Ça devient compliqué là. Attention, je conseille à Manu de ne pas avoir peur d'utiliser ses armes là parce que justement en courant on laisse le temps au sniper, enfin au kamikaze d'approcher, j'ai l'impression. Donc il ne faut pas avoir peur de prendre le temps de se retourner et de... Waouh. Il a utilisé judicieusement les nouvelles règles. Aouh. Et ça fait mal. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Ça va prendre du temps cette fois-ci. On a dépassé les 1 minute 10, ça commence bien. Je me demande si on ne va pas réautoriser les chevaux là pour... Ouais, parce que là c'est abusé là, le mec là il est... Non mais en gros, s'il court, on peut pas le rattraper. Enfin, je pense. Exactement. Donc, ça serait pas mal. Ça serait pas mal d'utiliser les chevaux, mais on verra si. Waouh!
En tout cas, Manu se débrouille bien pour l'instant. Sauf si on est autorisé à lancer de la dynamite. Sauf si on autorise quoi? À lancer de dynamite. Ouais. Ouais, de lancer si on autorise, mais j'ai peur que ça devienne trop facile. Le truc 100 chevaux, c'est impossible. Ouais. On va pas autoriser les chevaux de toute façon. Oula. Ça devient très compliqué là. Manu exploite très bien les règles pour l'instant, donc c'est un petit peu compliqué pour nous. C'est impossible. On tente le lancer de dynamite ou pas? Bon, C'est pas parce que là. Alors, on va pas changer les règles en plein. On va jamais. Là. En pleine partie. Bon. Pour la fin de la partie, on autorise les chevaux, donc appelez vos chevaux parce que sinon. Bah oui, on a autorisé plein de trucs en fait et d'un seul coup Manu commence à bien exploiter le concept. Du coup on se sent pris au dépourvu là, donc on est obligé de rétrograder en fait. Autorisation des chevaux. Waouh, quelqu'un se fait poursuivre en même temps, quelqu'un est devenu Monty, on dirait. C'est moi. J'ai voulu piquer le cheval de shérif et voilà. Je me suis fait tuer. Oula. C'est moi qui ai sauté. Ouais. Pico. C'est qui m'écrase là? Je crois que c'est moi. Ah bravo. Pico est devenu le nouveau sniper et on a dépassé. Manu a presque dépassé les 3 minutes 30 secondes. Je crois que ça s'est arrêté juste avant, à peu près juste avant. Il a dû faire environ 3 minutes 28 à peu près. Donc c'est le nouveau temps à battre. Celui qui fuit, il a pas le droit au cheval. Hein. On est d'accord. Oui, le sniper n'a toujours pas droit au cheval, sinon ça deviendrait complètement craqué à ce moment-là. C'est bon alors, on est d'accord. Donc, toutes les armes sont autorisées au sniper. Les seules armes dont bénéficient les kamikazes sont encore la dynamite. Ils ne peuvent toujours pas lancer la dynamite, mais ils ont de nouveaux droits à leurs chevaux parce que comme on l'a vu avec Manu, quand on exploite bien toutes les armes du sniper, ça peut devenir très chiant d'avoir le sniper. Mais Nico, prends ta propre monture déjà. Il arrive pas, je prends la tienne. Nico, tu veux mon cheval? Non, il va venir. Hein. Ok. Il va venir, hein. Allez, voilà. Bon. Nico attend à l'intérieur du ranch, tout le monde est à l'extérieur, ça va, tout le monde a sa monture là. Ouais. Donc, début de la partie dans 3, 2, 1, allez-y. Je rappelle que le temps à battre est environ de 3 minutes. Et merde. Waouh. Oh. C'est stack. Ah, je t'ai eu. Ouais, j'en reviens pas, il était à 1 mètre de moi. Ça doit être, à mon avis, l'explosion elle doit être amplifiée si on est en l'air. Ça doit être ça parce que moi j'étais loin et je me suis pris quand même. C'est qui m'est rentré dedans? C'est. Bon ben. J'ai tenté un truc. Bon, donc le record n'a pas été battu cette fois-ci. On peut utiliser toutes les armes qu'on veut, non? Toutes les armes, à part le GP et la dynamite. Okay. Oh là, j'ai encore tout planté dans le bras là. Ça fait pas mal. Je le vois pas ton couteau. J'ai un couteau planté dans le bras là, le bras qui tient la dynamite. Il est bien planté. Bon, on voit rien, mais tant pis.
Bon, ce coup-ci, on... Enfin bon, il y a déjà suffisamment d'armes qui sont autorisées. Non. Enfin bon, ce coup-ci, je crois qu'on va autoriser aux snipers les cocktails Molotov aussi, si ça peut nous ralentir au cas où. Donc finalement, les seules armes qui resteront interdites aux snipers resteront la dynamite et le pistolet GP, parce que là, ça deviendrait vraiment craqué, quoi, je pense. Donc, pratiquement tout le monde a sa monture. Moi, je viendrai après, comme d'habitude. Début de la partie dans 3, 2, 1, allez-y. Quelqu'un tire sur mon cheval, c'est pas bien. Oula! Oula. Il est ouf. Je rappelle au sniper qu'il utilise ses armes. C'est qui? Je sais même plus qui. C'est qui qu'on vise là? Oula. Il y a des gens qui sont enflammés là. Je sais même plus qui on doit viser moi. C'est Staka. Ah oui, je suis passé juste à côté évidemment. Je vais essayer de la. Voilà. Ah, par contre. De le mettre à terre. Allez, pète! Ah oui, bah ouais. Waouh! Wow, ouais. Vous êtes fait sauter pour rien les mecs. Voilà! Il a survécu. Oh, il risque de m'avoir, et je l'ai désarçonné, et explosion, non. Oh zut, mon cheval est coincé, c'est chiant. Ok, c'est les chiens. C'est les de la loi. Ouais, ça ne compte pas. Ouais, ça compte pas. On l'a refait. Et tu fais une vache sans le faire. Ouais. C'est dommage. Donc, Staka essaie de courir. On continue. Quand tu peux. C'est une bonne technique d'essayer de désarçonner le sniper en le faisant tomber. Keno a sauté pour rien, mais il a désarçonné Staka, c'est déjà pas mal. Oh, wow. Mon cheval a été abattu. Ok. Oh merde. C'est dégueulasse. Oh, je suis enflammé. Oula. Je suis enflammé. Pico qui a pété tout seul. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai tout le monde. On a presque deux minutes de jeu. Waouh. Sakana repose en paix. Donc ça vient de qui cette fois-ci? Ça vient de Manu? C'est Manu. D'accord. Parce que moi ça a pas pété, c'est Manu qui a pété. Donc Manu est le nouveau sniper, la partie a duré environ 2 minutes 10, donc ça ne bat pas le précédent record de 3 minutes 30 environ. 3 minutes 30, je crois que c'était le record de Manu, mais bon, on prend en compte le fait qu'on n'avait pas le droit aux chevaux pendant le début de la partie. Donc finalement, on va utiliser le temps témoin de 2 minutes 10 par Stakhanov. Ok. Et le temps, il est compté par rapport à quand je me suis fait buter ou pas? Par rapport au fait que quoi? Quand je me suis fait buter, le temps. Non, je n'ai pas arrêté le temps quand tu t'es fait buter. Ok. Vu que ce n'était pas nous, quoi. Donc tout le monde est à l'extérieur, là tout le monde a sa monture presque, Nicolas attend toujours. Ouais mais c'est pas grave, il va arriver. Oh comme d'habitude hein. Le bison donc, il est chiant. Début de la partie dans 3, 2, 1, allez-y. Nico pour appuyer son taureau. Ça y est, je l'ai trouvé. J'ai dû. Oh, ouais. Essayer de quitter mon cheval. Mince, il est passé où? Bah il est par terre là, il est en train de se rouler par terre. Ah je suis deg hein, j'aurais pu l'avoir mais je l'ai pas vu. Wow. Okay. Oh, to be or not. Tu es le seul à avoir survécu avec moi, je vais to me faire forcément bien jouer les gars.
Oh non, 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 j'arrive plus à faire les roulades. Non, non, non. Oh. Eh, hey, tu sors du ranch, là. Ah oui, mais bon, Happy. Ah, c'est pas fini, je crois que c'était Toby Hornode qui avait tout pété, moi. Non, non, non. Mais non. Toby Hornode vous a tous fait exploser, sauf Manu. Hein. Ah, force. L'extrême fail. Ça n'a rien fait, je suis deg. On doit buter qui, là? Manu. Toby Hornode. Non, c'est Manu. C'est toujours lui. Oula, 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 je vais où, moi? On a toujours pas battu, hein. C'est... Ah, il est fort, lui. Je crois que je me suis trompé. N'oubliez pas que vous avez le droit à tuer, hein, c'est... Je vois des gens galérer et courir un peu partout. Mettez-le à terre! Oh, il est malin. Faut dire, si on le suit débilement... Faut pas le suivre, en fait, il faut le contourner. Bon, là, dommage que quand on tient la dynamite, on peut plus courir. Oula. Oula, oula, oula. Il a abattu. Il a abattu qui, là? Ah, mais il joue bien. Et voilà, désarçonné, profitez-en. Oh, même pas. Et voilà, désarçonné. Il a survécu. Oh, c'est pas vrai. Je suis mort pour rien. Yeah, vas-y, vas-y, vas-y. C'est vraiment... On dirait que le jeu a été pensé pour ça, des fois, tellement... Il arrive à fuir. Il est fort, lui. Allez, oh, je l'ai eu. Ah non, ouais. C'est ça, non, non, il est vivant. Bon, il y a du cheat ou quoi là, c'est ça. Voilà, c'est clair que là il a explosé à 3 cm de moi, il est toujours pas mort. C'est clair que là il y a un putain de lag là, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, il était à 3 cm de moi. Il est à terre, il est à terre. Ça doit être le lag là, ça doit déconner. Essayez de le désarçonner un peu. Oh, bien joué. Attaque bien anticipée de la part de Kenobi. Cette fois-ci, je crois que le record a été plus ou moins égalisé, battu de quelques secondes en fait. Cette fois-ci, les 3 minutes 30 ont vraiment été dépassés. Il a environ fait 3 minutes 33, c'est... Bon, de toute évidence, Manu est le meilleur sniper pour l'instant. Hein. Enfin, on peut pas dire que c'est un sniper maintenant. Ouais. Avec le shotgun, non. Ça n'a plus aucun sens, de toute façon. Je vais piquer le taureau de quelqu'un, j'en ai plein des taureaux, là. C'est... Hey, c'est le mien. C'est le mien, maintenant. Bon. Donc, tout le monde a une monture, là. Ouais. Kenobi est le nouveau sniper. On réinitialise le chronomètre. Le temps à battre est environ de 3 minutes 32, 3 minutes 33. Le début de la partie dans 3, 2, 1. Allez-y. Oh, ils ne peuvent pas sauter les... Oh, elle est vie. Je l'ai eu. Déjà. Ah, oh, ouais. Staka se débrouille bien aussi en tant que Kamika. Bon, après ça... Après ça, on a le choix entre la forteresse, entre le mode avec la forteresse. C'est-à-dire deux personnes dans une forteresse
et 4 autres joueurs qui prennent d'assaut la forteresse. Où on a le choix entre, entre le PVP imaginé par Nico sans les armes à feu. Donc là on fait encore deux manches et on arrête. Ok. D'accord. Enfin on arrête pour ce mode de jeu et ensuite on part pour autre chose. Soit la forteresse, soit le PVP, tel que l'imaginait Nico. Attendez, je vois quelqu'un face à... Pourquoi le sniper est face à l'entrée? C'est très malin déjà. Ouais. Si, bah, c'est très, très très malin ça. C'est... Mais... bon alors, début de la partie... c'est n'importe quoi. Début de la partie dans 3, 2... Allez-y. Oula. Ok. Wow. Aïe aïe aïe. C'est dégueulasse, il envoie de la... il envoie des cocktails Molotov. Faut faire gaffe. Donc je vais essayer d'anticiper le temps de, d'explosion de la dynamite, mais j'y arrive pas trop pour l'instant. Attention. Là où? Non. Oula. Merde. C'est très malin. C'est ça. Bernard. Ouais. Oh joli. Et putain là, je l'ai vu long. Il s'est fait avoir là. Ouais, ouais, il s'est fait avoir. C'est toi Bernard qui m'a tué. Donc ça a probablement fait dans les 45 secondes à peu près. Donc on reste loin du record. Donc, dernière manche cette fois-ci, mais je pense que clairement le meilleur kamikaze ça aura été Stakhanov. Wouhou. Et le meilleur. Le meilleur sniper de loin, Manu, je pense. Manu. Hein. Les deux meilleurs temps de loin. Donc, début de la partie dans 3, 2, 1. Ah putain, je m'avais bloqué. C'est ça. Fanny m'a bloqué. Je suis pas mort. Oh wow. Fanny a tout explosé sauf le sniper. Et je repars à la sauce. Ah mais le truc c'est que Manu m'a bien bloqué là. Oh, désolé. Ah, c'est qui m'a écrasé? Bah moi. Je suis dans ton camp. Comme il dirait Falco et Einstein, je suis dans ton camp. Tommy? Tommy? Oui. Tu peux t'arrêter de... Oh! Inobi s'est fait piéger dans le bâtiment par Pico. Et Manu. Et non, pas tenu une minute. Ok. Mais c'est pas mal. Ouais. Donc maintenant, on joue à quoi? On a le choix entre soit la forteresse, soit le PVP de Nico. Forteresse, quoi? Forteresse, allez. D'accord, forteresse. Et c'est quoi? Forteresse, donc, deux personnes dans la forteresse, quatre personnes attaquant la forteresse. Bon, vous choisissez comme vous voulez qui sera à l'intérieur, qui sera à l'extérieur, qui serez vous pour être à l'intérieur. On attaque avec quoi? on attaque avec quoi? Avec ce qu'on veut ou... Avec ce que vous voulez. Avec ce que sauf la dynamite. Hein. Sauf le... Non mais je pense que tout est permis étant donné que les personnes à l'intérieur de la forteresse auront la possibilité d'utiliser les canons qui sont à l'intérieur. Et la, for-
Ah oui, d'accord. Ouh. Ah oui, la forteresse mexicaine, hein, sinon ça n'a pas trop d'intérêt en fait. Ah oui, d'accord. Et ouais. Alors, on ferait le mode de jeu officiel là, on fait pas. C'est pas le mode avec une seule vie. Non, là. Non, le mode de jeu officiel c'est pas vraiment la même chose. Et il suffit de capturer des points de contrôle, je crois, donc c'est pas super intéressant. On reste en mode libre en fait. Ok. On reste en mode libre. J'avais compris qu'il y avait qu'une seule. Il y avait des. Les défenseurs qui avaient qu'une seule vie, d'après ce que j'avais lu. Ah d'accord. Donc en fait, on doit prendre d'assaut la forteresse et essayer de le faire le plus rapidement possible. Mais bien sûr, là encore, ça reste en prototype, donc les améliorations viendront en cours de route. Enfin, c'est un petit peu normal étant donné qu'on n'a pas la possibilité d'exploiter tous ces modes-là dans les précédentes sessions. Donc début de session quand on sera tous là-bas déjà. Ok. Donc tout le monde sera à la forteresse mexicaine. El Presidio. Voilà, la forteresse d'El Presidio, exactement. Il y a déjà Manu là-bas. Et moi. Ok. El Presidio, ok. Ok. Qui commence en défense? Qui s'est défendu? Waouh! Ah, moi, je sais que Nico Snitch s'est dévoué pour premier la arrivé, défense. Premier servi. Je suis là. J'ai pas compris. Waouh! Donc, qui est en défense avec Nico? Je sais pas, mais premier arrivé, premier servi. Moi. Donc, moi, Stakhanov ou. Moi, Stakhanov. D'accord, très bien. Donc, Nico et Stakhanov sont les premiers défenseurs. Les défenseurs ne disposeront que d'une vie, je pense, sinon ça deviendrait un petit peu trop chiant, je pense. Par contre. Okay. Oui, par contre, les assaillants doivent rester à l'extérieur, parce que bon, j'ai un petit peu peur que le jeu passe repop à l'intérieur ou un petit peu trop près en fait de la forteresse. Ben, personnellement, je n'ai jamais fait ce mode. Moi non plus. Là, je suis un peu perdu. Moi aussi. Et Nicolas m'a tué. Oh, et ben je tire sur tout le monde. C'est une nouveauté pour tout le monde, c'est un prototype. Hein. Par contre, j'ai vu sur toi, Nico, hein, et vu que toutes les armes sont autorisées, je vais pas me gêner. Il va pas se gêner non plus, on dirait. Waouh. Ok, je me suis fait tuer. Waouh. Bon. Donc, ouais. Nico s'est fait tuer. Ouais. Il reste Stakhanov à l'intérieur, normalement. On peut pas rentrer. Stakhanov à l'intérieur ou. Oui. Bon, Pico part à l'assaut de toute façon. Hein. J'ai le droit de rentrer dedans. Hein. Non. Si t'es rentré normalement, si le jeu ne t'a pas fait repop directement à l'entrée du truc. Ok, je suis mort. T'as crevé, bon, déjà, c'est l'armée qui t'a tué ou quoi? Non, c'est Manu. C'est Manu. D'accord, très bien. Bah, Manu a commencé en roxant bien, puisqu'il a battu Nico ainsi que Saka, on dirait. Donc les nouveaux assaillants, je crois que ça sera Pico et moi, parce que je suis à l'intérieur, on va pas se gêner. C'est Pico moi qui m'a tué. Pas mal. Attendez, donc Pico t'a tué? Ouais, moi c'est Pico qui m'a tué. D'accord, donc ça sera Pico et Manu, je pense. Bah Pico il vient de mourir déjà. Je l'ai tué. Non mais on va recommencer les choses... Mais en gros, c'est les pas génial trop. Ce... Mais en gros, les ça manque. C'est pas très équitable en fait, dans le sens où les défenseurs, les attaquants sont super vulnérables en fait.
Enfin, pas les attaquants, les défenseurs. Oui, bah, les défenseurs. Les attaquants aussi, hein. On a aucune chance. Ouais, mais les attaquants, ils ont bien fini, ils ont juste à foncer dans le tas, en fait. Ok, donc vous voulez rééquilibrer en mettant quelqu'un de plus, ou... Ouais, ça pourrait être une idée. on va essayer de toute façon, mais bon... la première chose, c'est que les défenseurs ne peuvent pas être plus nombreux que les attaquants, sinon ça deviendrait clairement trop chiant, je pense. Donc je me joins aux défenseurs, donc ça sera Pico, Manu et moi, je pense. Moi, je suis mort une fois. Non, mais bon, on avait tout le monde n'était pas encore dans la forteresse au moment où t'as crevé, donc bon. Tout le monde se met à son poste. C'est bon là? On peut commencer? Oui, début de la manche, dans 3, 2... Attention, toutes les armes sont permises, hein, à tous les camps. Bon bah, je suis déjà mort, hein. Waouh! C'est une bataille de sniper, hein. Exactement. On devrait créer un mode uniquement avec des snipers. Et si les défenseurs qui meurent se joignaient aux attaquants? Ouais, pas mal. Bah de toute façon, vu que je n'ai plus qu'à me tourner les pouces, c'est ce que je vais faire. Je vais jouer les traîtres. Il reste qui de vivant, Manu? Oui. Ouais. Mais comme toujours, hein, c'est dingue ça. Cache. Manu, il doit se bien. Je suis wanted. J'ai détruit une lampe à huile. N'empêche, y'a comment pour attaquer un fusil à pompe avec un couteau? Oula! Manu se débrouille super bien, j'ai l'impression. Waouh! Désolé. Ah, par contre, moi j'avais une idée de mode de jeu. Ouais. Mais je sais pas s'il serait super. Bah, qu'est-ce que tu pour, hein? Bah en gros c'est un... On peut attacher quelqu'un ou pas? Le lit côté? Non. Oh, dans le multijoueur, ah, non. Bon, au pire on le ligote pas. Il y a quelqu'un qui se met sur les rails. Il n'y a pas de train. Dans le multijoueur il n'y a pas de train. Ok, bah c'est mort. on pourrait faire mon idée aussi. Je t'avais parlé tout à l'heure. Oui. On l'a fait ici ou plutôt en orange. C'est quoi le prochain programme? Quoi? Bah on fait quoi maintenant? Non, on ne fait pas encore le PVP de Nico. Là c'est une idée à laquelle avait pensé Kenobi, tu veux la présenter ton idée ou? Ouais, alors en gros. T'as des mecs dans un enclos, t'as un sniper, encore un, je veux dire, mais... Et les mecs dans l'enclos, bah ils doivent un peu survivre, enfin c'est-à-dire ils sont un peu en pâture, c'est quoi. C'est un peu le festival dans la cage, quoi. Le mec il tire. Disons, ils peuvent pas s'entretuer, mais ils peuvent s'emmerder, enfin je crois, aller au point peut-être, et... Ouais, peut-être juste le point, quoi. Ouais. Le sniper, il doit les avoir, et si un sniper, il en a un, bah, celui qui meurt, il devient lui aussi sniper, et c'est le dernier. C'est le dernier vivant qui gagne, et ensuite, il doit aller essayer de tuer le sniper, mais. Il va faire ça avec les bonus. Moi, j'ai une petite idée. Quoique.
non. Proposer. Bah, j'ai une idée. C'est qu'on se met tous là dans cette forteresse. Il y en a un qui reste dehors. Et en gros, il vient pour nous buter avec un couteau. On peut rien faire et la seule chose qu'on peut faire, c'est courir quoi. Essayer de. Waouh. Et le dernier à survivre, il gagne. Waouh. C'est pas une bonne idée. Non. Si, ça peut être une bonne idée, mais ça peut être un massacre rapide selon le joueur. Bah si on. Ça peut être. Si on se sépare tous, je sais pas. On peut faire ça sur n'importe quelle map, ça c'est bien. Ouais, on peut essayer, mais bien sûr c'est un prototype qui va se modifier au fil de la partie, ouais, bah. comme tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On essaye l'idée de Kenobi. Pour l'instant, ça me tente bien dans la mesure où ça ressemble un petit peu à une espèce de balle aux prisonniers, mais. Bah après on l'a fait où? On retourne à Orange ou? Bah oui, sur Orange, parce que bon, c'est là que ça a été imaginé, je pense. Faut avoir un endroit où il y avait un enclos, quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, y a qui pour essayer le mode proposé avec le joueur au couteau? Moi c'est pareil. N'a qu'à essayer, on verra ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Ouais. Bon, sinon, je suis tout seul au ranch là, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben. Je meurs, attends. D'accord, vous avez fait les fous. Voilà, d'après ce que je vois. Je suis allé attaquer l'armée américaine avec un couteau en fait. Bon bah alors on pense quoi? Enfin, j'ai envie d'essayer deux secondes l'idée de Kenobi. D'abord. Ok. Par contre, ce qui est possible, ce qui serait fair play, c'est de pas que le sniper dès le début du jeu, c'est-à-dire avant de commencer, il vise pas. Enfin, c'est pas possible. Oh ouais. On va en rendre le McFarlane. Oui, si possible, que tout le monde se rende au ranch. Et c'est quoi l'idée de Kenobi? En fait, il y a des mecs qui sont dans un enclos. Et il y en a un autre avec un sniper, et le sniper doit buter tous les mecs dans l'enclos. Enfin, voilà. Et vous avez la possibilité de vous déplacer à cheval pour essayer de mieux éviter les tirs. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous restez dans l'enclos. Après, il faut rester dans l'enclos. Elle est sympa. Et dès qu'on meurt, on devient sniper nous aussi. Mais pas sniper à la place du sniper. Sniper en plus. En gros, un genre de mode zombie. Un genre de quoi? Un genre de mode zombie. Ouais, c'est un peu ça. C'est le principe, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Tu fais dans cet enclos, là, le truc, là. Ouais, on reste dans cet enclos-là, enfin bon. À moins que l'enclos de l'autre côté soit plus adapté, mais bon. Je me mets au snipe, ou je... Ben oui, pour présenter ton idée. Autant vous tuer, ouais. on se met à combien? Sur la colline en face ou juste. Ben, je pense qu'il faut privilégier un point précis, mais bon. Tu préfères cette colline là? Ouais, par exemple, ouais. Ok, bah, j'ai pas on les se met par ici, hein, tout le monde. Attends, vous êtes où, là? On se met de l'autre côté, dans l'autre enclos. Dans l'autre enclos, vous êtes mis? Ouais. Non, on était dans l'enclos de l'autre côté, mais on va te rejoindre, en fait. Bah, comme vous voulez, hein, c'est...
On peut changer d'enclos. En plus, ça fournit des gens, des chevaux, donc bon, y a pas de souci, ils s'en mangent pas de temps. Mais sortez pas de l'enclos, hein, c'est important aussi. Exactement. Quoi, ça gaffe pas fait avec ce cheval. Cercle, c'est. C'est débile, mais en même temps, j'accroche bien. J'ai l'impression qu'il vient de m'enclencher demi sur ce côté. Oh, oh. Tout le monde est dans l'enclos là ou. Ouais. Et les mecs, ils viennent me rejoindre après. Voilà. On se met tous au même endroit les snipes. C'est un peu dingo. C'est un peu dingo comme ça. Bon, début de la partie dans 3, 2, 1. Attends, et. Attends, deux secondes. Ouais. On a droit à chevaux limités ou un seul cheval? Un seul cheval, pardon. Oh non, on rappelle des chevaux tant qu'on est en vie, hein, je pense. Si on a le temps. Ouais, okay. Voilà. C'est parti. Voilà, début de la partie. J'ai enclenché le chronomètre, allez-y. Hop, hop. Oh, sac et d'oubli. J'ai tué quelqu'un là ou j'ai tué un cheval en fait? Je crois que t'as tué un cheval en fait. Putain. Aïe! Non. Oh merde, j'ai pas pensé aux munitions en fait, mais... Attends, c'est un peu galère avec le cheval. Ah merde. Oh merde. Oh, je suis vulnérable. Non, j'ai pas envie d'être le premier à crever quand même, non. Oh putain. Oh non, 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 oh non, oh non, blessé. Ah ouais, il a été protégé par les par l'enclos. C'est déjà cool. Le fond, c'est pas dessus, bande de salauds. Bah si, c'est ça qui est marrant. Ah, j'ai tué quelqu'un. Ah non. Mais non. Non, je crois que c'est moi qui ai tué quelqu'un, je suis désolé. J'ai tué quelqu'un. Wow. Wow, mon cheval. Ah putain, tu vas crever, oui. Mais il n'y a aucun moyen pour récupérer des munitions, puisque bon, je me figurais qu'on pourrait récupérer des munitions avec l'espèce de camp là, puisque bon, je crois que tu n'en es pas loin en plus. De quel camp? Une espèce de petit camp près entre le ranch McFarlane et Pike's Basin en fait. Le repère de Pike's Basin. Et nous, on a pas le droit de tirer. Non, non, sinon je pense que ça deviendrait trop facile. À 5 contre 1, c'est sûr qu'on... Il y a eu des morts ou pas? Non. Non, ok. Bah le problème c'est que... Je suis chaud, c'est peut-être un peu abusé. On peut pas se mettre des bâtons dans les roues, non? Ah. À ce cas À se mettre des bâtons dans les roues. Oui, très bien. Moi je propose sans cheval. Ok, on va essayer sans chevaux. Et on a droit de se... Enfin, les mecs ont droit de se taper au point. On a le droit de... Ouais. Mais seulement au point, par contre. C'est... Ben, ça deviendrait brouillon si tout le monde s'entretuait alors que le sniper essaie de nous tuer. T'en peux me tuer Ah bah oui, mais en fait, voilà, le sniper est suicide, non? Parce que quand on suicide, on récupère des munitions. Ah, oui. On m'a tué. Ah, c'est moi. Ah oui, pas mauvais l'idée du suicide. Waouh. Oh là, non. C'est moi. Mais attends, t'es sniper toi? Bah oui, je me suis fait tuer. Ah d'accord. D'accord. Donc je deviens le troisième sniper. J'ai un petit peu fait exprès pour être sniper, mais voilà. C'est dégueulasse. Ah oh bah... Et hop. Ah. Ah merde. Ah bah... Vous faites quoi là? Bah il m'a tué alors qu'il n'aurait pas dû. Non mais... Je pensais qu'il était dans l'enclos. Bon, ouais, t'es où là? Enfin, bon, ouais. Je suis toujours sniper ou quoi? Si je me fais tuer par un autre sniper. Hein. Non. Le sniper ne s'en retire pas. Je pense que tu restes sniper. C'est là, je me suis fait tuer par un sniper, donc. Il n'y a que les gens dans l'enclos qui deviennent sniper, mais les snipers ne changent pas de statut, je pense. Et il reste qui dans l'enclos? Il ne faut pas trop s'approcher de l'enclos, sinon ça devient complètement nawak. Hein. Faut rester en hauteur, je pense.
Oui, on va sur la colline. Attends, mais ça caille à l'extérieur de l'enclos, là, il y a un sniper ou quoi? Donc en fait, il reste juste un âme, en fait, Manu. Bah, moi j'ai plus de munitions, donc... Voilà. Non, je crois que je l'ai... T'as plus de munitions, suicide alors, comme l'a proposé Kenobi. Ouais, ou... Bah, il reste quelqu'un, là, ou... Il y a plus que de personnes. Il reste Manu. Wow. On doit le sniper alors. Il change bien de trajectoire le malin. Waouh. Voilà. C'est bon ? Donc ouais. Manu a été le dernier survivant. Mais encore une fois, il refuse bien notre session, le Manu. Donc on fait sans cheval ? Il aura survécu presque 5 minutes. Sans cheval ? Ouais, sans cheval, puisque bon, on dirait que c'est bien galère quand on autorise les chevaux. Et c'est qui donc, le sniper? Manu, au sniper. Manu, d'accord. Et on a droit au point. On a droit au point entre nous, comme ça. Mais parce que c'est bien, parce que au on point. A droit tu... au... On a le droit au point. On a le droit au point. Ou pas? Non. Juste au. Ça serait marrant. Non, ouais, mais c'est... on peut tuer. Tu peux tuer avec les bouteilles incendiaires. Bon, faut pas en abuser. Une bouteille pour... Puisque bon, quand tu attaques au point, tu te mets aussi en danger, quoi. Oui, mais tu peux pas tuer au point. Mais c'est fait exprès, c'est justement, faut que tu... T'es pas obligé d'attaquer au point. Mais... Bon, Manu est le nouveau sniper, normalement, je le vois pas. Ça y est, il est apparu derrière une colline, là. Ah, et on se cache pas dans les enclos, dans les trucs là. Vas-y, Curie. C'est bon là ou... Bah oui. Le sniper peut y aller. Ok, bah c'est... Ouh la vache. Il vise bien. Ça n'a pas perdu de temps. Waouh! J'étais en plein saut, il m'a eu une balle à la tête. Oh, je commence à avoir peur là, si c'est aussi facile pour lui quoi. C'est... Waouh! Oh la vache, il vit super bien. Oh my god! Non, ça devient juste n'importe quoi. C'est... Interdit au trop fort, voilà. C'est... Ouais! Oh, c'est dingue. Mais après, il faut savoir. Donc, d'un coup, je me retrouve avec 4 snipers sur le dos, quoi. Et. Faut peut-être remplacer les snipers. Quelqu'un me vise. C'est bon là. Il y a plus personne. Dernier survivant, Kenobi. Ok. Moi, je me ramène pour buter. Hein. Voilà. Maintenant, Kenobi va essayer de se défendre avec tous les moyens possibles. Ou de vous buter, allez. Parce que vous avez droit qu'au snipe. Quasiment. Exactement. Droit qu'au snipe. Tu vas crever, oui. C'est quoi cette arme de merde? Attends, faut que je... Tu me brades depuis tout à l'heure. Waouh, il est dans une espèce de creux là, j'arrive pas à le viser, c'est terrible. Bah, tu vas venir, oui. Oh là. Manu m'a tué. Il a tué tout le monde, lui, franchement. Je propose un ban de Manu pour qu'il... Ah, il a son jeu trop fort. Ouais. Et la partie s'est terminée en moins de 2 minutes. Grâce aux compétences de Manu, c'est juste navré. Ouais. J'avais pas prévu ça moi, c'est... Bon allez, dernière manche. C'est autour de qui? C'est Kenobi vu qu'il a été le dernier à survivre encore une fois. Encore une fois c'est Kenobi le sniper. Bon ben, Pico n'a pas supporté perdre. Attends, merde. Je suis pas encore dans l'enclos.
Moi, je vais me cacher derrière un cheval. Ah, pas mal. C'est pas mal. Ouais, s'il me tire dessus, il y a one take. Ah, mais il avance trop vite, le cheval. Attends, j'arrive. Je suis réapparu super loin. J'arrive. Reste là, cheval. Oh là là. Bon, t'es prêt, Genobi? Ah, j'arrive. Faut que je tue Manu, comme ça, ça sera plus rapide. Non. Voilà, c'est bon, je suis dans l'enclos. Allez. Ouais, c'est sûr que si Manu est ton premier allié. Mais bon. Alors, début de la partie dans 3, 2, 1, chrono. Oula, oh, ah, il vise. Ouais, il me vise, va foirer. Stakhanov, on dirait que Stakhanov réussit bien à survivre en restant caché derrière le chevaux. On dirait que ça marche bien en plus. Je murmure à l'oreille du chevaux. Vache. Pardon. Reste là, cheval. On dirait qu'il nous vise là. Non. C'est quoi ça? Quoi ces conneries? Stay calm. Ça te bah, headshot là. Y'a headshot. Mais non. Mais. Attends, c'est quoi le meilleur sniper en fait? Carcarano. Le Rolling Dog. Non, le Carcarano il a 5 balles. Le Rolling Dog qui fait plus de dégâts. Il fait plus de dégâts? Ouais. Ah d'accord. Moi je trouve, je sais pas. Non, parce que là j'ai plus de munitions. Pas un suicide. Je suis mauvais au sniper. Bref. Je suis meilleur. Je suis un peu sans lâche moi. Je... On fait une rix générale en attendant Kenobi. Vous battez-vous au point si vous voulez. C'est ce que j'essaye. Là avec un cheval. Attention, je suis un pro sur Fight Night moi. Hein. De quoi? Ah. Adrien. Adrien va être sonné. Attends, j'examine mes futurs. Et Nicolas était sonné. Ouais, mais y'a un PNJ qui me frappe là. Oula. Je fais rien. Ouais, Kenobi. Voilà, Kenobi est remonté sur sa colline. En fait, là, recommencez à courir là parce que bon, il va nous tirer comme des lapins, ça c'est clair et net. on se fait frapper par un PNJ. C'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il fout? Attends, mais c'est qui le paysan qui. Je sais pas. C'est... Mais fous le camp! Qu'est-ce qu'il fout là? Ah, oh! M'a sauvé. Ah, il a un flingue! Oh! Butez-le! Oh! Sors de là! Oh putain, mais je suis wanted maintenant, mais. Oh, le jeu il fait n'importe quoi! Non, mais je peux pas t'avoir là! Et non! Il snipe là, Keno? Bah oui, parce que moi je viens de me faire... Bah j'ai snipé Nicolas. Et je savais pas, Nicolas, que... Ouais. Je savais pas que ça avait commencé. Je savais pas que ça avait recommencé parce que j'ai fait sniper moi. Bon. Moi je suis anti, parce que ça va devenir compliqué pour moi. Quoi, déjà plus de munitions? Merde, putain. Ah, si, c'est mal géré ça, les gars. en défaut du jeu. Je reviens. Faudrait mettre des insertions tactiques. Hein. Ah, il a Et Nico, il est monté ou pas? Ouais, moi je suis là, moi je vise Taka. Il se cache. Oula, oh! Non, sur les hommes de loi, ça compte pas ça. Il a plus d'accord. Et t'es pas wanted? On a dépassé les 4 minutes. Bon, j'ai plus de munitions, suicide. Ouais. Attends. Voilà.
Waouh. Ah, tu me copies là? Bah, oui! Ah, je vais me cacher derrière toi. T'es merde. Ouais. Wow. Donc, qui est mort là? Moi! Wow, Pico! Je viens de crever, viens de crever à l'instant. Wow! Allez, plus qu'une seule balle. Raté. Bon, bah, suicide. Hein. Je me suis fait chier à ça. Qui tire dessus? J'ai tué. Oh, je me suis fait tuer à ça. Bon. Et là, on a tué tout le monde ou. Je crois. Ouais, c'est. Okay. Ah, c'était le dernier survivant. Ouais. Manu, oui. D'accord, Manu. D'accord. Donc ouais, ça a Manu. Duré 5 minutes. On l'a tué Manu ou pas? Oui, il est mort. Bon. Donc maintenant, on passe à quoi? Bon, moi, je serais PVP. Le PVP de Nico. Le PVP de Nico, donc bon, pour rappeler les règles à ceux qui n'étaient pas là ou qui ne les ont pas encore entendus, le truc c'est de ne pas utiliser des armes à feu. Donc on a droit au couteau, à la dynamite et au cocktail Molotov. Et on a droit aussi au couteau lancé, au truc d'accord, des tomahawks aussi. Oui. Et pour l'instant, ça je suis pas sûr que ça va rester parce que bon, on a tendance à s'éliminer très vite avec. Donc on commence là. C'est toi qui m'as tué, Kenobi? Oui, là je me vengeais un petit peu. D'accord. Normal. Te venger de quoi? Je t'ai rien fait. Manu a fait une pause là. Hey. Ah, on commence le. Ah, je sais pas, j'essaye. Ah, mais on le fait pas en vrai truc. Enfin, je sais pas. Non, non, c'est pas un véritable mode. Hein. C'est. Non, mais je croyais qu'on faisait un véritable mode et on s'attaquait pas en fait. Ah d'accord, tout ce qu'on fait, on le fait en mode libre, hein, c'est... Wow. Putain, mais les roulades, elles sont un petit peu pourries. Oh zut. Ce serait pas plus sympa de se faire... Bah si, mais le problème, c'est qu'on peut pas créer de mode personnalisé. Oui, mais si, bah, on a des armes, mais on n'est pas obligé de les utiliser. Non? Ça dépend, puisque bon, je ne sais pas si... Je ne sais pas si le deathmatch autorise toutes les armes, donc je ne sais pas si on aura forcément si on aura forcément les couteaux de lancer, si on aura forcément la dynamite ou ce genre de truc là. C'est qui a vol plané? Aucune. Oh. Sinon on peut le faire en groupe, deux groupes différents pour faire une espèce de deathmatch en équipe. Ben attendez, je vais essayer 2 secondes. Si je fais une équipe, qui vient dans la mienne? Histoire qu'on soit 3. Allez, je viens. Oh, c'était joli. Oh, c'était gore là, je suis allé rentrer dans la table. Je quitte le groupe, Keno dans mon équipe. Et qui d'autre? Moi. Stack. Oula. Me tirer une dynamite pendant que je suis en train de gérer le groupe. Hop. Ah mais non, Stakey est dans un groupe, je peux pas lui demander, j'ai l'impression. Il faut qu'il quitte le groupe. Attends. Il n'y a plus de groupe, on dirait.
Si, il y est toujours. On quitte le groupe ? Attends, attends. Ah oui, parce que si on est dans un groupe, on est dans la même partie. Parce que j'ai l'impression que Pico n'est plus dans un groupe, là. Bah, j'ai quitté exprès. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc on quitte ? On quitte le groupe ou on quitte pas le groupe ? Non, attends, qui se met dans mon groupe, en fait ? Alors. Donc attends. Bon, y a plus de groupe, j'ai exclu tout le monde. Ouais. Bah attends, j'accepte Pico dans mon groupe. Enfin, je vais dans le groupe de Pico et Théo Burnout pour rejoindre, comme ça fera deux groupes de trois. Attends. J'accepte l'invite. Voilà. C'est quoi les groupes là? Et ensuite Théo ou Staka nous rejoint et ensuite le j'ai déjà j'ai invité Staka. D'accord, donc Théo nous rejoint. Enfin, pourquoi Théo? Enfin, Kenobi nous rejoint. Oui. Ça fera deux groupes de trois. On vous envoie une invite là? Je peux pas envoyer d'invite, c'est Pico qui peut envoyer. Ah d'accord. Alors, j'accepte Kenobi. Bah oui, mais... Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Bon, donc, PVP. On commence ? Ouais, ouais, ouais. Donc, d'un côté, Pico, moi et Kenobi, et de l'autre, Nico. De l'autre, l'équipe des pros. On va voilà, donc... Nico, Staka ouais. et Manu. Allez, on y va alors, c'est parti. Exactement. Allez, c'est parti. Oh là là, la dynamite. Moi je suis mal barré parce que je me suis mis un petit peu en plein milieu du chemin quoi. Je croyais que c'était uniquement la dynamite. C'est avec tout sauf les armes à feu. Exactement. Tout ce que tu veux sauf les armes à feu. Dynamite, molotov, couteau de lancer. Et couteau normal aussi. Ah, vous n'êtes pas vivant. Wow, wow, bien joué. Oh, double mort. On s'est entretenu. Double kill. On dirait que le jeu tient un score là, donc l'équipe d'en face mène. Ouais, mais le score, non, mais c'est le score total des joueurs. C'est le score déjà de tout, hein. Ouah, je vais faire encercler. Ouais. Oh ouais. Oh ouais. Comment est-ce qu'on compte le score? Bah on ne le compte pas, sinon ça serait trop difficile, je pense. D'accord. On a un gros chevaux en fait. Ah. Oh ouais. Attaque en scred. Oh, voilà. T'as juste chuté. Enfin, la dynamite est une sorte d'arme à feu. Ouais, mais bon. Ça renfonne le truc. Waouh. J'adore le Tomahawk. D'accord. Bien joué. J'ai entouré Manu. Oh. Dans le dos. Je l'ai pas du tout vu venir.
Allez, couteau de lancer. C'est parti. Wow. Wow. Oh non, non, non. Ah. Oh. Wouah, j'ai pété. Hein. Oh non. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Oh. Donc Manu a quelques soucis avec la dynamite. Donc on va peut-être essayer de jouer sans dynamite ou quoi. Pourquoi? Ben il a laissé un message sur le chat. Oula oula. Oh non. Merde. Wow. Quel enchaînement. T'as cassé ma série de victimes. C'est mieux Tomahawk ou les couteaux de lancer en fait. Quoi? C'est mieux Tomahawk ou les couteaux de lancer en fait. Aucune idée. Vengeance. Enfin moi j'utilise Tomahawk. Oh, oh non, on brûlait vif. Oh non. C'est dégueulasse. La dynamite par derrière, c'est... Oh non. Ouais. Salaud. On met tous vise expert. Vise expert. Ok. On fait ça. Kamikaze, kamikaze, kamikaze. Hop. Comment on met la vise expert? Dans les options. Le couteau c'est nul en fait. Parce que sinon c'est pas fair play du tout. D'accord. Parce qu'en fait ça désactive le lock automatique. Expert. Ouais. Expert, ça va. Je suis un expert. Voilà, visé expert. C'est la visée multivore hein, qu'il faut configurer en expert, c'est ça. Enfin, logiquement. J'étais pas prêt, j'étais encore dans les... Ah bah désolé, je savais pas. Wow. Allez, je vais faire le kamikaze. Le kamikaze. Et je t'ai tué. Ou pas? Non, moi je n'ai pas crevé, mais... Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi t'as crevé, Stacker? Je voulais te tuer en fait, je voulais faire une attaque kamikaze, mais ça a disparu. Ah d'accord. Hop. Bon, je crois qu'il y a eu un bug. Hein. Enfin, clairement. Oh ouais. Oh. Attends, la visée expert ça désactive le lock, c'est ça? Parce que j'ai toujours le lock moi. Ouais. Non, ça dépend. Bah, ça... visée expert solo et la visée expert multijoueur. Exactement, il y a deux trucs distincts. Bon, je vais retourner dans les options alors, j'allais voir. Oh non, encore? Ouais. Oh non! Ah, je t'ai eu là! À chaque fois. Ah, je vois. Ça va, j'ai trouvé.
je suis un expert. Je t'ai tué tout seul. Wouah! Wouah! J'ai eu quelques massacres de Nico. Ouais. Merde, je suis wanted. Mais par contre, la bouteille incendiaire. Oh, wow. Désolé, Manu. Désolé, Staka et son cheval. Brûle. Non, oh non, oh non, 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 non. Allez. Oh mon dieu, il me reste plus que deux tomahawks et je peux pas ramasser les autres, c'est... Ah si, je ramasse. Ah, enfoiré. Putain, il y a la loi et les autres. Oh, désolé. Ah oh, j'ai placé. Je vais tirer la dynamite exprès pour le faire stresser, pour pas qu'il s'approche trop de moi, et au final je l'ai tiré trop loin. Évidemment, t'as marché dessus. Ouais. Attends, je brûle à peine, là, c'est... Dommage qu'il n'y ait pas d'open world. Et lance-la! Mais encore one, mec, putain, là, c'est... Waouh! Oh, attention! Face à face avec Manu! Oh, je vais me faire avoir! Oh! Jouer à la dynamite aussi, ça a l'air trop marrant déjà. Wow, je suis pas mort. Oh bah voilà, je suis mort. Oh. On devrait avoir plus de dynamite. Ouais. Juste tout mettre au Maroc là. Et qui a GTA ici en fait? Moi j'ai pas GTA. Oh non, j'ai quelqu'un dans mon dos. Oh. Ah, raté. Bizarre à dynamite. Je... N'importe quoi. Oh, wow. Oh, je suis désolé les gars. Oh, je suis désolé. C'est pas, c'est l'autre que je visais. Je suis désolé. Ouais, ouais, ouais. Il y a de la skill là, non. Oh oui, oh, c'est juste le cheval, j'avais pas vu. Mais... Eh ? Oh non. J'ai trop approché. Ah, il y en a qui a quitté le groupe. C'est passé quoi? J'ai vu Stakano Fatigue a quitté le groupe, mais il est toujours dans le groupe, c'est bizarre ça. Ah, Stakano fait partie. Ouais.
Et désolé. Ouais, dans le dos en plus, c'est dégueulasse. Même pas le temps de me retourner. Quoi. Un Tomahawk, je suis mort, putain. Putain, c'est puissant le Tomahawk. Oh my god! Celui-là, non. Non, il a raison, on peut relancer la session pour remettre les scores à zéro et là, les scores seraient véritablement comptés. On s'en fout un peu de score. Oh merde! Ah! Mais, non, je suis là! Ouais, non! Par contre, je peux m'inviter? Ouais, bah tu pourras me tuer parce que là je me suis trompé d'arme. Ouais, ouais, ouais. Inviter Staka, c'est ça? Ouais. Deux secondes, les gars. Si on change un peu, parce que moi je pense un peu en avoir marre de ça. C'est pas faux. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Bah, on peut essayer mon mode. Faire des repères, je sais pas. Le mode avec le mec au couteau? C'est ça. Wow, oh, il est bon, Manu. Ouais. Non, on va tester ça dans Forteresse. Donc on le fait où en fait? Bah, il faudra déjà nous réinviter tous les trois pour former un seul groupe. Oui, je quitte mon groupe. Non, c'est bon, je les invite. D'accord. Mais non, ça suffit, Stock. Oh. Ça n'a rien fait. Ok, hein. Un peu. Je n'ai pas à me tuer, okay. Je vais me vanter. Bon, ben on part dans Forteresse. Ouais. Ouais. Le DLC ou. Non, la forteresse mexicaine, c'est ça. C'est ça. Ouais. Retourne à El Presidio. El Presidio, voilà. Faudra qu'on attire les flics NC4 là-dedans et qu'on se mette tous à l'intérieur. Ouais, wow, ça ouais. C'est facile, hein. Oh, mais ça défoulait, punaise. Ouais, j'ai fini de télécharger Hitman. Hitman? Hop, 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 hop. Absolution, ouais. Ah. Ah, enfin! Bah, 10 gigas le truc, quand même. Bon, bah, ça va être qui le mec au couteau? Le mec au couteau. Oh, peu importe. Vas-y. Il veut l'être. Attends, qu'est-ce qu'on fait exactement? Parce que j'ai pas tout compris, là. Qu'est-ce qui se passe? Je réinvite Stakhanov parce qu'il a encore ouais. Quitté la session. J'ai rien fait du tout. L'invitation a été envoyée. Ok. Donc en gros le but c'est que tout le monde se met dans la forteresse et il n'y a qu'une seule personne qui reste en dehors. Mm-hmm. Et dès que tout le monde est prêt, ben le mec il rentre dans la forteresse, il essaye de nous buter avec avec un couteau. Quoi. Et on doit juste fuir. Et le but du jeu c'est de fuir. Ou on peut donner des coups de poing aussi. Voilà. Donner des oh. Coups. D'accord. Et et sinon on peut fuir hors de la forteresse dès qu'il est entré non. Ou Non. D'accord. C'est coton. Le but du jeu c'est de survivre. Par contre le couteau c'est un peu galère non. Couteau de lancer alors. Oui, couteau de lancer ou dynamite.
dynamique. Ah. Ouais. Donc qui se porte au monstre? Ah, je sais pas. Dîner. Donc qui va, Pico? Ouais. Ok. Et c'est là qu'on assaille Pico avec des boulets de canon. Faites gaffe, j'entre les mecs avec un couteau. Et si les mecs tuaient, revenaient avec un couteau aussi. Et si quoi? Si les mecs tuaient, reviennent avec un couteau. Ouais, mais ça va être... comment dire, ça va être difficile de savoir qui a tué qui et... Ouais, donc voilà. On pourra pas les différencier, quoi. Donc, ouais, tout à fait, tout à fait. Non, le mec qui se fait tuer, il reste en dehors. Déjà, j'ai du mal à voir où est Pico dans le tas, en fait. D'accord, je le vois. C'est qui me tue au couteau? Bah, c'est moi. Bah, t'en as vu. Bah, on a pas... J'ai pas le droit de tuer. Normalement, t'as pas le... Non. Oh, bah désolé. Si. Ah non, juste fuir en fait. Ah, on peut pas se défendre. Ah. On peut rien faire. Voilà. Ah bah d'accord. On n'a pas le droit de monter sur. D'accord, bah. Ah non plus. Ok. Ouais. Pas que si, au final, voilà. Ouais. Je peux monter. Mais. Quoi? Ah, au couteau de lancier, d'accord. Ouais. Ouais, il est toujours en visée expert, il arrive pas à me viser. C'est comme accusé un peu. Oh, au contact, très bien ça. Donc quand on est mort, on fait quoi? On reste en dehors. On se promène. Vous faites quoi quand on pleut sur les toits, les mecs? Ben, on survit. C'est quoi cette question? Oh putain, il arrive. Putain, viens pas. Il arrive! C'est moi, on m'appelle Jack aussi. Oh my god, il arrive pas. Il est par où? Il vient par où là? Ça c'est marrant en fait, j'ai l'impression de jouer à chasse. Ah d'accord, tu m'as poignardé. Ouais, c'est complètement dingue ça. Et Manu, il est impossible à attraper. Il est trop rapide. Il faudrait quelqu'un d'autre. Il faudrait qu'il y ait deux Jack l'Éventreur. C'est super marrant à voir depuis l'étage, quoi. C'est-à-dire que je suis au sommet un petit peu de la bâtisse et on vous voit courir dans tous les sens. Bon, ça y est, Pico a compris que j'étais la victime la plus faible, donc il vient vers moi, j'ai l'impression. Et j'ai plutôt l'impression que je me suis perdu au milieu de nulle part. Ouais, on dirait, mais... Oh là là... Il veut m'avoir! Allez, vas-y, t'inquiète. Prends ton temps. Oh non! Et ça y est. Oh non. Oh non. Putain, mais le mec s'est étalé comme un flan et... C'est débile, oh. C'est très décevant, ça. Bon, mais finalement, j'attends la fin de la partie. Donc, en gros, là, il reste que Manu et moi, c'est ça? Manu. Ouais, bah y'a plus Manu maintenant, je l'ai empalé. D'accord, okay. Donc le dernier survivant, c'est Staka. Bon bah. Vu que j'ai gagné, je me remets là-bas, bon, on recommence. Bah non, tu vas faire moi aussi. Je me fais tuer aussi, mais ça sert à rien. Je vais mourir. Non, il a droit de le tuer alors. Parce que. Il s'entretue. Voilà, j'avais pas le souvenir que c'était aussi lourd à manier. Bon bah, on s'entretue alors. S'entretue au couteau. Voilà. C'est fini ou... T'es où, Pico? Ah. Je suis là.
tout le monde est dans la forteresse ou pas? Ah oui. Non, okay. Moi je viens de me faire tuer donc. Non, je t'ai pas tué donc. Bon, finalement le nouveau. Non, je me suis vengé de mon poignet. Ouais. Finalement, le nouvel assassin c'est Stakhanov. C'est Stakhanov, ouais, c'est moi. Hop. Mais ouais, toujours à l'intérieur. Vous êtes sûr que. Ouh, j'ai tué Manu en premier. Ah, à la chaîne. D'accord. Ouais. Ah, mais je sais pas que ça a commencé. Oh, non. Si. Sors de là, non. Oh, c'est à toi qu'il en veut, de toute façon. Oh, c'est dégueulasse. C'est super malin, ça. J'ai déconné. Et voilà. Oh ouais. Ouais, tu peux y aller au couteau de lancer aussi. Ouais, c'est vrai. Oh mais non. Oulala, j'ai one feed. Oh, on tient la police et on se fait eh ben la il balle. Il a le droit à la dynamite ou quoi là? Ouais. Oh. Ah oui. Oh, je suis un petit vide. C'est qui là qui est encore en vie? Mais non, moi je suis toujours en vie. Hein. Moi aussi, en vie. Mais je voulais m'amuser un peu avec la police. Redescends, ouais, Staka, c'est toi l'assassin. Moi je suis toujours en vie, je sais pas où il est. Mais... Marie se cache. Il compte envoyer ce couteau comme un sniper, d'après ce que j'ai compris. Attendons de voir si ça fonctionne. Hop. Wow. Oh. Ah ouais. Ah oui. D'accord, ouais bah ça va. Ok. C'est bien joué ça. Bon bah c'est Nicolas qui a gagné. Hein. Mais il est un peu moisi ce mode. Ah moi j'aime bien, ça met un peu de stress en fait de se faire poursuivre. C'est à moi de vous tuer. Ouais. C'est ça, juste un truc. Mais on peut pas faire un truc. Pour. Parce qu'on se fait un peu chier en fait dès qu'on meurt. Par la suite. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire Comme se défendre au corps à corps avec le couteau si jamais on est attaqué par l'assassin. Au pire, ceux qui. Non, j'ai pas d'idée. Ouais, j'arrive, je vous fonce dessus, on va bien voir. Attends, je suis resté à découvert moi, c'est pas malin. C'est qui est en vert? C'est moi. Ah, c'est très malin. Ouais. Non, mais ça rend le jeu plus clair comme ça, Ah bah on pourra faire ça, ceux qui se font tuer ils se mettent en vert. Oh là, il y a quelqu'un qui s'est arrêté en plein milieu du... Oh, dommage Manu. Ouais, je sais pas pourquoi mais bon, je lui courais après en plus. Il devait avoir un problème. Ouais. Ou sinon il écrivait un truc ou en fond de ça. Ah. J'ai entendu du bruit sur Skype, ça devait être lui. Ah non, il vient vers moi. Wow. Vous êtes combien là? D'accord. Putain, il est où là? Je piche plus. Ah, c'est bon. Se cacher dans les parfums. C'est assez marrant d'être spectateur. C'est quoi cette dynamique? Ah, il paraît qu'on a le droit à la dynamique. Monsieur tu de. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Merde!
Il paraît qu'on a le droit. Hey, je me fais tuer par l'armée mexicaine, moi, putain, casse-toi. Moi aussi. Ah, d'accord, d'accord. Faut interdire l'endroit où je suis allé. Le mec m'a assommé avec une dynamite, ouais. Ok, l'armée mexicaine m'a tué. Tu t'es pas fait tuer, Tommy? Si, je me suis fait tuer. Ok. Je me suis fait tuer par une dynamite qui m'a assommé, quoi. Bah, j'étais à côté de toi, donc il m'a tué aussi. Et il reste qui, là? Je sais pas. Bah, comme c'est 10 ceux qui sont tués, ils... Il quitte le groupe. C'est plus simple. C'est qui tire des dynamites? C'est moi, j'essaye de te tuer. Voilà. Ah, je suis passé par le support. Et je sais pas qui... qui est-ce qui reste, je sais rien. Je m'entraîne au sniper, perso. Ouais. Attention, oh, Emmanuel a fait une belle chute. Oh, on m'entraîne au... Je m'entraîne au tomahawk perso. Oh. Merde. Je vois que je suis pas le seul à avoir tué l'armée mexicaine. Ouf. Non, moi j'ai l'armée mexicaine à mes trousses, moi. Et je sais D'accord, pas qui... Pour m'entraîner. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, y a plus de survivants là. Faut croire parce que je sais pas qui. Bah le truc c'est que c'est un peu brouillon quoi. Ouais, bah, vous êtes tous morts. Ouais. Faut pas me réinviter. Ouais. C'est qui me tire dessus là? Ce jeu est beau quand même. Ouais. Oh putain, l'armée mexicaine, oh. Psst, ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue ou... On se fait l'armée mexicaine. Ah bah. Ouais. D'accord. Ça a envie de jouer au boulet de canon, on dirait. Ouais. D'accord, d'accord. On tue du mexicain, d'accord. Waouh. On est wanted simplement après les avoir bousculés avec un cheval, on dirait. Bah, tout à l'heure, j'ai fait péter une lampe à huile. C'est bon, j'étais wanted. Putain, j'avais déjà oublié que j'étais en expert. Je me suis remis en normal, moi, parce que j'en ai trop marre de tuer les mecs. L'ajoute pas le mode expert. Oh, c'est abusé. Oula. Tiens, Mexique. Quelqu'un prend le contrôle de la Gatling? Oh putain. S'éclate là. Elle est où la Gatling? Il y a plusieurs Gatling. Il y en a une juste là où je suis. Bien. Oh mais qui? Oh, mais c'est... J'ai pas compris là. C'est moi. J'ai tiré pour vous montrer où c'était, mais je pensais pas que ça vous tuerait. Mais n'importe quoi. Oh. J'étais dans le bâtiment en train de grimper à une échelle, moi. Ah c'est bien, on peut avoir le trophée. Ah non, c'est le trophée. Mais non, mais tirez pas dessus là. C'est pas sur Plastic Gun. Ouais, mais t'as des Mexicains à tes trousses, non, j'ai pas rien. Non, non, là. Rentre Staka et dépêche-toi parce qu'ils arrivent. Ouais. Elle est où là? La King. Allez, attends, éloigne-toi de là où je tire. Hein. Là où j'ai tiré, okay. C'est là où elle est.
parce que là je peux pas quitter le poste. Ils sont tous là. Ah, un mexicain. Ah, ils sont juste là. Ah, c'est une boucherie. Cette terre. Nico est super loin. Mais quelqu'un me tire dessus ou quoi? Bon, ils font quoi là? Toi, Bernard, tu peux essayer la casting? Si tu veux, mais y'en a une autre. Oh! Il y en a un trophée, ça fait tout. Ah ouais? C'est quoi? Comme des dominos, mais bon. Ça vient du fait que je ne joue pas beaucoup au multi de ce jeu, quoi. Tire dessus. Oh. Désolé. Non, t'es pas désolé. Ils sont là, les scélérants. Là. Mais non, comme cheval. Comme cheval, comme cheval. Ah mince. Oh, wow. Wow. Belle entrée. Tire dessus là. Titan. Désolé. Tu m'étonnes qu'il devient ennemi public avec toi. Ah, quand tu tues les joueurs, t'as encore plus recherché, je crois. Il y en a personne qui vient à l'arrière. Ah, me tire pas dessus. Ouais, je t'ai vu. Y'a plus moyen de rentrer maintenant, hein. Enfin, je sais par où je vais rentrer, je vais faire la tour. Attends, qui me tire dessus là? Oh là, quelqu'un me tire dessus là. Oh, wow, wow, wow. Et j'arrive pas. Je n'ai pas l'angle de tir pour leur tirer dessus.
On va mettre au canon. Hein. Oh, ça rame. Oh là là, ça. You are now the most wanted. Je te pique la Gatling si ça te dérange pas. Ouais, tu peux. C'est la guerre. Bah, c'est bien le principe. Mode Rambo. Putain, c'est bien mec volé. Oh, j'ai fermé. On est presque tous ennemis publics. Oh là oh là, quelqu'un me tire dessus. Oh, oh. Pauvre chevaux. Oula, là il est dû. Personne à Gatling là en fait. Tu peux y aller, je l'ai laissé. Non, c'est bon, je suis au canon. Attention! Niveau plus 1. Yeah. Ah, moi, 2445. Tous ceux qui passent par là vont mourir. Merde. Bon, moi je vais y aller. Ok. Ouais. Ok, y'a pas de soucis.
Bonne fin de journée à vous. À toi aussi. Bonne joyeux journée. Noël. À tous les filles. Bonne fête. C'est un peu tôt pour la joyeux Noël, mais bon. Bah c'est dans 3 jours. Hein, donc. Enfin, en même temps, vu qu'on n'organisera pas de partie avant le 25, de toute façon, je pense que ça sera de toute façon plus tard que le 25 ou même plus tard que les fêtes. Donc, allez, bon, dépêche-toi. Voilà. Ok, moi je veux pas tarder aussi, ouais, puisque mon ordi commence à plus avoir de batterie, et puis... Je suis pas tout seul à la maison, donc il y en a que ça. Allez, voilà, je dépasse les 3 000 $, et... Moi j'ai faim, je vais aller manger. Là. Voilà. J'y vais. Bah ouais, il y a des concepts intéressants à creuser. À creuser, je pense. Ouais. D'ailleurs, je suis content qu'on ait au moins pu essayer des trucs pour une fois, quoi. Puisque ouais. C'est la première fois qu'on essaie vraiment des concepts tels qu'on l'avait imaginé au début du topic. Donc ça c'est déjà cool et je suis content que vous ayez tous pu participer. Et puis il y a tout le monde qui a bien joué le jeu donc ça va, il n'y a pas de problème. Exactement, exactement. Donc tu es à la vie. Allez, salut. Ok, salut. Ah, Nicolas. Mais perso, je vais pas tarder non plus. Donc... Ah, moi aussi, je vais laisser l'ordi à mon père donc j'y vais. Ok, merci à tout le monde d'avoir participé, en tout cas, c'est super cool et bonne fête à tout le monde. Hein. Ah, merci. Bonne fête à toi. Merci. Bonne journée, et à plus. Et bonne soirée. Je me déconnecte avant de me faire buter, et bonne histoire de garder ma fierté. Bon, salut. Salut.